thank you thank you あ Thank you Ça nous aide D'accord. Oui, oui pas pas ici quoi. Voilà. Non, non, très très vu. Vu. Donc, Pas de problème. Ça marche. <laughs>

donc on a à peu près 17 personnes qui résistent à rentrer et il reste plus de place que ça. Le seul problème, c'est qu'il faut pas qu'il y ait des gens qui arrivent derrière. Donc c'est pour ça qu'on attend un peu. 3 places. Non mais Ça va aller, t'inquiète pas, mais je sais qu'il y a encore des gens qui... Allez-y, oui, oui, vous pouvez prendre cette place-là. C'était pour. Merci. Bien. Devant, il y en a un premier enfin, yeah. je personne, hein. non, ça non, non, Bonsoir. Patrick rabillé En l'absence de notre président Jean-Michel touché par le décès de son papa Michel qu'un certain nombre parmi nous ont bien connu, eh bien nous allons ouvrir cette séance du Serra en, en pensant à, à notre président, à sa famille, voilà. Je voudrais d'abord que on puisse applaudir vous, les adhérents du sera car nous sommes archi complets. Voilà. Hein Alors qu'on se le dise, le sera il faut s'y prendre à l'avance, hein, parce que euh, on a eu, je crois, Amélie pourrait le dire mieux que moi, et Jean-Denis et Philippe, on a eu une centaine de demandes, je ne mens pas, hein, euh, pour ce soir. Voilà, évidemment, la qualité de notre intervenant, on va en parler tout à l'heure, mais aussi le fait que le CERA, parce que déjà au mois de décembre, nous étions complets. Donc, euh, que le message passe, si on veut venir au CERA, on ne peut pas inventer une salle en 30 secondes. Euh, déjà là, on remercie bien entendu le directeur monsieur Vrignon du lycée Jean 23, qui met très gentiment euh, cette salle à notre disposition, comme euh, bien souvent depuis des années. Voilà. Alors, les annonces paroissiales. Je suis chargé de le faire, moins bien que Jean-Michel, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, on va parler tout à l'heure de l'intervenant, mais tout d'abord, alors, les annonces des peut-être. Voilà. Non, avant, <laughs> sur les adhésions. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le SERA affiche complet, et euh, le SERA ne vit que par les cotisations des adhérents que vous êtes. Et nous ne bénéficions d'aucune subvention de quelque nature que ce soit. C'est notre fierté, mais il faut évidemment tenir ce challenge. Alors les adhésions on est tout à fait dans la période. Amélie euh, se charge de faire les relances durant ce mois de janvier, mais n'hésitez pas à devancer en faisant une adhésion glissante sur le site du CERA. Alors adhésion glissante, ça veut dire que ça compte à partir du moment où vous adhérez, 12 mois qui courent, et donc bien entendu, vous pouvez pendant ces 12 mois. Voilà pour les adhésions. Il y a un numéro de téléphone sur notre site, un 06, où vous pouvez joindre Amélie qui répondra au plus vite à toutes vos questions et à vos demandes. Alors adhérez au CERA, adhérez, adhérez. Ensuite, quel est le programme Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous recevons Pierre Collet, mais je vais laisser Jean-Denis, euh, à Jean-Denis le soin de le présenter après ses annonces. Alors, ensuite, un moment à ne pas manquer à nouveau, le 9 avril, à l'ICES, à La Roche-sur-Yon... Un intervenant très connu, Jérôme Fourquet, certainement vous l'avez déjà vu intervenir sur les médias, la télévision en particulier en ce moment. Il publie un livre, l'archipel français. C'est un observateur avisé de la vie française, donc un moment rare à ne pas manquer. Ensuite, nous passons au mois de juin. Alors là, quelqu'un qui n'a pas euh, sa langue dans sa poche, qui a son franc parler, bien connu. Alors là non plus, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, comme tous les rendez-vous du CERA. Agnès, Verdier, Molinier, où va notre argent? C'est quand même une préoccupation qu'on a de temps en temps, n'est-ce hein, pas? Et il y aura, mais comme c'est une surprise, je ne vais pas l'annoncer, sinon c'est plus une surprise, il y aura un intervenant du Cru de la Grande Vendée, exceptionnellement qui viendra d'Outre-Atlantique euh, nous rejoindre pour un, une surprise en même temps que cette conférence Verdier d'Agnès Verdier-Molinier. Ensuite, donc ce sera au Ludilab, excusez-moi, Ludilab à Chambreteau-Chanvéri. L'Udilab, maintenant on ne le présente plus. Si vous ne savez pas, vous venez nous demander et on vous indiquera. Ensuite. À l'ICES à la Roche-sur-Yon. Eh bien oui, nous sommes dans une année olympique plus le Vendée Globe, le des Globe qui part le. Ah, il y en a qui suivent, c'est bien. Merci. Donc le 10 novembre, alors à 13 h et quelques bananes, hein, et nous aurons la chance avant le départ du des Globe de recevoir Yann Eliès, la quête de l'ultime, quelles leçons en tirer. Bien entendu, ça touche le Vendée des globes, mais quand on regarde tous les sportifs que nous allons pouvoir admirer pendant tout cet été, que ce soit le Tour de France, que ce soit les Jeux olympiques et j'en passe et aux paralympiques bien entendu. Donc Yann Eliès à l'ISS, à La Roche-sur-Yon le 24 septembre. Ensuite. Alors, nous serons à Moléon, en territoire de Grande Vendée. C'est la région Aquitaine, mais euh, on reste en grande Vendée, avec Anne Gabar Allard, qui est née à Saint Amand sur Sèvre. Ça ne s'invente pas, hein. mais ça ne l'empêche pas d'avoir euh, beaucoup de compétences, évidemment, comme tous les gens de Saint Amand, et c'est une gynécologue qui viendra nous parler d'un sujet euh, fort passionnant notre santé et notre histoire. Elle a écrit un très joli livre sur ce thème et elle viendra nous en parler abondamment à Moléon. En grande vendée. Ensuite, alors le CERA, depuis 15 ans maintenant, nous sommes à plus de 100 rencontres. Nous avons l'habitude, euh, vous savez que notre président et tout le bureau, nous aimons bien cela, faire le point de temps en temps, au-delà du livre que nous avons publié pour les 15 ans, eh bien, nous continuerons avec un observateur expert de l'évolution de notre monde, Philippe Guillemant. Alors si je donnais tous ces titres, hein, je les ai lus euh, rapidement, mais euh, je ne vais pas vous les énumérer, on le présentera plus longuement, et puis vous irez voir sur notre site. Mais il a vraiment de quoi nous remplir de questions et de questionnements pour se dire où allons-nous, que faisons-nous et que pouvons-nous faire d'intelligent pour bâtir un avenir crédible et heureux. Donc Philippe Diment, ce sera à la loge de Beaupro. Alors là aussi les gens nous disent "Ah oui, mais c'est loin." Ben écoutez, ce soir, c'était loin aussi pour les gens de Beaupro, ça ne les empêche pas de venir. Alors, venez à Beaupro et puis euh, faites l'effort. Vous savez, euh, en partant d'ici, il y a 30 minutes pour aller à Beaupro. Hein Un peu plus. Bon, à peine. Ça dépend qui conduit, disent les mauvaises langues. Mais euh, non non, mais non, non, mais en étant prudent, il y a, y, a, y, a y a des routes qui sont euh, à travers la Grande Vendée euh, qui permettent d'être très, très, très rapides. Alors, euh, nous avons des réunions régulières avec Didier Huchon et les responsables de Moche Communauté, pour faire que, justement, eh bien, nous relions ces territoires qui constituent un même grand territoire. Alors n'ayez pas peur de venir à BeauPro. Nous lançons le challenge, et j'espère que nous serons très nombreux à la loge. Il y a 700 places. Donc vous voyez que hein, là, du coup, vous aurez un peu plus de temps pour réserver. Alors ensuite, nous terminons, rassurez-vous, le vent des Alors ça, c'est un rendez-vous qui a été inventé il y a maintenant euh, six ou sept ans, n'est-ce pas Six ans, voilà. Et c'est un rendez-vous tout à fait original, en partenariat avec un établissement que nous connaissons bien, Saint-Gab, et dans une formule qui plaît beaucoup, avec euh, beaucoup de dynamisme, des interventions courtes mais très euh, dynamiques pour euh, traiter le thème qui n'est pas encore tout à fait choisi, Jean-Denis. Hein tu fais partie du, du, du comité, mais ça va être diffusé dès que nous aurons les informations. Et à chaque fois, nous avons également des intermédia distique de, de très haut niveau. Voilà. Vous avez donc un programme euh, alléchant de quoi euh, vous inciter à adhérer euh, dès demain matin à 8h. Hein. À, à 8h15, vous savez, c'est comme poupée. Hein. À 8h, c'est ouvert. À 8h15, c'est fini. Hein. Bon, Donc, N'étant pas trop bavard, comme vous le savez, je passe la parole à Jean-Denis Fouquet et je vous souhaite une excellente soirée, chers amis. Merci Patrick. Ce soir, on va vous inviter à un voyage, on va vous faire voyager dans, à travers l'intelligence artificielle. Alors vous savez, c'est peut-être le monde de demain, d'aucuns le disent, d'autres vous disent que ce ne sera pas le cas. On ne sait pas, on va essayer ce soir de faire la part des choses entre le mythe et la réalité. Et pour nous guider dans ce, dans ce voyage, on a fait appel à un expert de l'intelligence artificielle français, euh, qui aussi est un pionnier de la chirurgie assistée par ordinateur, euh, de, de, de différents domaines. J'ai nommé Pierre Collet, qui veut bien me rejoindre. Je vous en prie, sous vos applaudissements, je vous remercie. Et Voilà et qui va nous aider à faire la part des choses dans ce domaine bien particulier. Merci Pierre. Merci. Je prends celui-là. Je prends celui-là. C'est bon Ok. Bon, bah, donc, euh, donc merci, merci, au, bien sûr, euh, à toute l'équipe du SERA de, de m'avoir invité. Euh, C'est un, un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Euh, alors, je crois que alors, <coughs> toutes mes conférences sont différentes, euh, dans le sens où je les refais à chaque fois, parce qu'en fait, euh, le domaine change à chaque fois. Donc euh, là, j'ai refait celle-là dans le train. Euh, on va voir comment elle va se passer. <laughs> C'est bien, ça va être une surprise pour moi aussi. Euh, alors, euh, donc je vais essayer de tenir dans une heure et demie, euh, parce qu'on a pas mal de choses à, à voir ensemble, euh, explorer pas mal de domaines pour, pour remettre tout ça ensemble, c'est quand même un, un, gros, un gros sujet. Voilà. Alors, euh, ah, avant tout et avant la conclusion de cette conférence, il faut que vous sachiez que je suis un, par nature un grand optimiste. Euh, voilà. Et j'espère, je compte sur le débat qui euh, aura lieu sur les questions-réponses. Euh, après la conférence, pour euh, essayer d'égayer un peu la soirée. Bon, euh, qu'est-ce que je veux dire <laughs> euh, Je suis désolé, j'ai fait... <coughs> donc, ces transparences sont en anglais, mais je vais parler en français dessus. Donc, euh, s'il y a des points qui ne vont pas, euh, enfin, voilà, j'espère que ça sera quand même euh, compréhensible. Donc, on va voir un certain nombre de, de points. Là, vous voyez, quatre points. Ça va être... Euh, 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 J'espère rentrer suffisamment dans ces points de manière à, à, à ce qu'on puisse euh, aller cheminer ensemble euh, vers la fin. Alors, euh, je vais commencer un peu par la fin, justement, euh, avec cette petite citation de T.S. Eliot euh, "Ce qu'on appelle le, le début est souvent la fin, et euh, voilà, et, et terminer, est terminer, C'est en fait savoir commencer, euh, et la fin, c'est euh, l'endroit d'où on part." Euh, alors. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne-là. Voilà. Donc elle s'appelle Lil Mikela. Et, euh, gardez-la en tête. On va reparler à la fin. Donc c'est pour ça que je commence par là. Mais avant de parler de Lil Mikela, euh, alors. Donc bon, euh, petite euh, incise, là qui est-elle Donc elle est née en 2016, euh, ça ne lui fait pas beaucoup d'années. Elle a plus de 2,8 millions de followers sur Instagram en 2023, mais on est déjà en 2024. Euh, ses meilleurs clips sur YouTube font entre 7 millions et 4 millions de vues. Et elle a des contrats avec Prada, Calvin Klein, etc. etc. Voilà. Et il se trouve que cette personne n'existe pas, elle est complètement virtuelle. Euh, C'est un avatar. Et on va voir l'implication que tout ça a à la, ce, à la fin de cette présentation. Bon. Donc, parler d'intelligence artificielle. Et d'éthique, remettre un peu tout ça dans le, dans le même sac, pour ça il faut arriver à peut-être définir un peu ce que c'est que l'intelligence, avant de parler de ce que c'est que l'intelligence artificielle. On va faire un peu de science quand même ce soir, euh, j'espère pas trop pour ne pas, euh, pas vous ennuyer de trop, mais c'est important. Euh, et donc on va commencer avec la notion d'ontologie. Euh, qui euh, est essentiel pour comprendre euh, tout ce qui s'est passé en, dans l'Occident sur le développement des sciences euh, et bien sûr après donc de la notion d'intelligence. Alors on va faire beaucoup d'étymologie ce soir. C'est très important euh, parce que la, la signification des mots, l'étymologie des mots. Je ne sais pas qui c'est qui a fabriqué les mots, mais les mots sont, ont toujours une, une signification profonde, merveilleuse. Euh, qui, et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on prend un mot, qu'on comprend ce qu'il veut dire, d'où il vient, euh, c'est toujours euh, éclairant. Alors, bon, philosophie, euh, voilà, c'est le fait euh, euh, d'aimer la connaissance, la poursuite de la sagesse. Hein. Euh, on va faire un peu d'épistémologie, donc on va regarder un peu. Donc, épi, c'est ce qui est au-dessus, euh, on va regarder ce qu'il y a un peu au-dessus de, de, de tout ça euh, pour essayer de faire un peu de théorie. Euh, théorie, c'est euh, voir le divin. C'est ça l'étymologie du mot. Euh, Théonorao. Hein donc l'objet de la philosophie, c'est effectivement la quête de la connaissance, euh, pour comprendre la nature fondamentale de tout ce qu'il a, connaissance, réalité, existence, tout, le, tout le, le, le monde qui est autour de nous. Et actuellement, on a vraiment ce défaut de penser que la philosophie, c'est du côté de la littérature, et en fait pas du tout, hein, c'est la science, c'est la compréhension du monde qui est autour de nous. Donc, c'est vraiment, c'est absolument fondamental, et d'autant plus que maintenant, avec l'IA, bah, vous allez voir que ça va nous interroger euh, très sérieusement. Alors, et, euh, intelligence, étymologie euh, et signification. Donc, euh, interlegere, donc um, relier les choses et trouver les mots pour arriver à rassembler un certain nombre de concepts ensemble. Donc là, j'ai pris euh, euh, des, des références tout bêtement sur Wikipédia. Hein. Euh, alors, en, en anglais, ça a aussi cette connotation un peu militaire. Il euh, y a la CIA. Euh, euh, donc, euh, Central Intelligence Agency. Donc, c'est intelligence en anglais. C'est aussi euh, les informations euh, en temps de guerre euh, euh, pour euh, euh, savoir de quoi est fait l'ennemi, etc., etc. Donc, il y a aussi cette petite connotation qui n'existe pas en français. Hein. Bon, alors regardons un peu comment tout ça, ça a commencé. Et ça a commencé il y a très longtemps avec euh, Parménide. Et en Occident, donc Parménide, c'est un euh, philosophe grec, euh, il y a 2500 ans maintenant. Et en fait, c'est lui qui a attiré l'attention et qui a permis à toute la science occidentale de se développer. Parce que, en fait, il a attiré l'attention des philosophes de l'époque, donc les scientifiques de l'époque, qui s'appelaient des philosophes, sur le fait de dire ben bah voilà, le monde, il est composé d'objets, d'entités, et il ne s'agit pas de construire sur euh, des fondations qui sont en sable donc il faut avant de d'élaborer des concepts il faut s'assurer que le concept précédent qui est dessous il est solide il a été vérifié et euh, que voilà que c'est pas euh, quelque chose de, de, de flou euh, euh, sur lequel on n'est pas sûr parce que si vous construisez une maison sur un tas de sable bah forcément euh, les il, euh, il risques de si les fondations ne sont pas bonnes la construction va risque de ne pas être très, de pas être très solide alors, ensuite, ce qu'il a dit, donc voilà, il a dit euh, ce qui est, est et ce qui n'est pas ne peut pas être. Donc, c'est très important de, ça, de, de bien comprendre la détermination des choses, où les choses commencent, où les choses terminent, pour s'assurer de quoi il s'agit avant de pouvoir euh, continuer. Alors, ensuite, ce qu'il a dit, c'est que maintenant qu'on a défini la notion d'objet, eh bien, il faut comprendre comment les objets interagissent entre eux. Et cette notion d'interaction entre eux, on va le voir, c'est ce, ce qui consiste les ontologies. En fait, ça se fait via des lois. Alors, il faut re reprendre les définitions des mots, etc. Euh, donc, Comment est-ce qu'on va relier les objets ensemble? Eh ben, en fait, ça va se faire par un graphe. Alors, pour les, les gens qui font de l'informatique, c'est un graphe qui ressemble à ce qu'on appelle un arbre en informatique. En informatique, les arbres sont un peu bizarres. La racine de l'arbre est en haut, les feuilles sont en bas. Et, mais généralement, on, on, donc, à partir de la racine qui est en haut, on descend, mais les flèches vont de haut en bas. Alors que dans une ontologie, alors là j'ai tapé le mot ontologie sur internet, j'ai essayé de trouver un truc, euh, c'est la première ontologie qui est arrivée, euh, voilà, que j'ai trouvé que c'était très bien. Et vous voyez qu'ici c'est un espèce d'arbre, mais avec les flèches qui vont du bas vers le haut. Et euh, euh, alors maintenant, quand on regarde un peu de quoi il s'agit, eh bien c'est une ontologie sur euh, l'agrométéorologie. Alors j'ai un pointeur un peu magique ici. Je ne sais pas comment ça va passer dans la vidéo. Donc, c'est l'agrométéorologie ici. Et alors, on se rend compte comme ça que, ben il voilà, y a Sergio qui est là, peut-être. Voilà. Sergio qui travaille dans le Rio Climat. Le Rio Climat qui, lui-même, euh, euh, travaille sur la notion de bioclimat, qui est, fait partie de la climatologie, qui est une agrométéorologie. Martha a des compétences en précipitation qui fait partie de la climatologie, etc. Et donc vous voyez que c'est comme ça qu'on arrive à définir un domaine à partir d'un certain nombre d'entités et comment est-ce que ces entités sont reliées ensemble. Et c'est ça qu'on appelle une ontologie, c'est le graphe de, des, de, des connaissances et comment les connaissances sont reliées, sont reliées entre elles. Alors, nous maintenant, d'un point de vue informatique, parce que l'IA, c'est quand même relié beaucoup très fortement à l'informatique, hein, donc c'est la science des données, etc. Et bien il faut comprendre que pour nous, tous les objets. Qui se trouvent là, les entités, eh ben, c'est ce qu'on appelle euh, les données, la science des données, etc. Et, et finalement, c'est ça qui définit en philosophie ce qu'on appelle la vérité. Et alors, la vérité, il faut savoir qu'en dehors des mathématiques, elle n'existe pas. C'est quoi la vérité de cette télécommande euh, quelle, quelle masse fait-elle exactement au sens mathématique du terme Il faut que je connaisse tous les atomes qui la composent. C'est quoi sa couleur exacte C'est quoi son machin En fait, on, voilà, on se rend compte que, que quand on descend à la fin, quand on descend au niveau atomique, en plus tout est flou. On, est, on descend dans la physique quantique. Il euh, n'y a plus rien de déterminé. Les objets, on ne sait pas où ils sont. On ne peut pas déterminer leur vitesse et leur, et leur position à la fois. Donc à la fin, euh, pff, euh, voilà, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a, a rien. Voilà, super Parfait Donc, et finalement bah c'est quoi l'objet de la science euh, Science, d'où vient le mot science Ça vient de syndérer, c'est scinder et l'objet de la science c'est de faire la part entre le vrai et le faux euh, entre séparer le bon grain de l'ivraie, qu'est-ce qui est déterminé qu'est-ce qui n'est pas déterminé, voilà, c'est ça l'objet de la science trouver ce qui est vrai, trouver ce qui est faux Donc, c'est ça l'idée de, de ces objets, comprendre ce qu'ils sont Okay. Et ensuite, ben maintenant, la deuxième partie, c'est avec les lois, ça consiste à trouver comment est-ce que les objets sont sont, euh, sont reliés entre eux et comment est-ce que voilà quelle est leur interaction. Euh, et en science, eh ben on fait ça avec des équations, et les équations définissent ce qu'on appelle des lois et en latin eh bien loi ça provient de jus et tiens et ça a un rapport avec la justice et la justice la loi tiens c'est des mots qu'on utilise assez souvent ensemble et quel est l'objet de la justice eh bien en fait c'est de trouver l'égalité et c'est pour ça que, euh, eh ben, là, la balance qui se trouve ici, la balance de la justice, c'est celle qui doit déterminer ce qui est égal. Si vous volez une pomme, on, la pénalité ne sera pas la même que si vous volez un bœuf, un œuf hein, ou un bœuf. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre des choses. C'est ça l'égalité, la justice, la loi. C'est voilà, mettre les choses en rapport. Alors, maintenant, quand on, re, quand on ramène ça sur la notion de science. <coughs> Eh bien, il y a une loi qui est très connue en science, une des premières qui a démarré la révolution scientifique euh, du XVIIe euh, siècle. Eh bien, c'est euh, la loi universelle de la euh, euh, gravitation de Newton. Eh bien, cette loi, elle dit quoi Alors, ça veut dire quoi le mot loi La loi, ça veut dire qu'il y a une égalité ici, euh, si j'arrive à contrôler mon truc, là. Donc, il y a une égalité, c'est ça la, la notion de loi, entre la force d'attraction entre deux corps, et puis... Eh bien, un machin qui une équation qui détermine ces, cette force, et cette force, ben voilà, elle est déterminée à partir de quoi C'est la masse de un, une entité, un objet ici, fois la masse du deuxième, divisé par le, la distance au carré entre les deux. Et la distance entre, au, au carré entre les deux, ben c'est la position de l'un, moins la position de l'autre, et le tout au carré. Okay Donc... Euh, ça, c'est ce qu'on appelle une loi en science, ça s'appelle la loi universelle de la gravitation. Alors, il n'y a pas qu'en qu science qu'on fait des lois, bien sûr, et euh, un, un, j'ai discuté avec un, un avocat euh, aujourd'hui, il y a aussi les interactions humaines. Donc là, on n'est plus, est pas, euh, on n'est pas des cailloux qui interagissent entre eux. Hein, le, la, les sciences, on, des fois on appelle ça les sciences dures, c'est la science des cailloux, hein, les planètes, la Terre, quand vous recevez un caillou dans la figure, ça fait des sciences dures. Et puis après, il ben, y a les sciences humaines. Et en sciences humaines, eh ben, on a aussi des lois. Alors, elles sont définies comment euh, Donc là, euh, je vous présente Amourabi, qui est euh, euh, debout, d'accord, qui a euh, les mains devant, euh, en, en signe de prière. et eh bien, devant le, le dieu Shamash ou peut-être Marduk, euh, qui lui donne euh, la, une liste de lois. Parce qu'à l'époque, il y a donc euh, 2000, euh, il y a 3700 ans et puis depuis le début de l'humanité, en fait, on vivait dans une époque où les lois provenaient des dieux. C'est ce qu'on appelle un système hétéronome. Nomos en grec, ça veut dire loi. Hétéro, ça veut dire que les lois venaient d'ailleurs. Donc actuellement, nous sommes en France dans un gouvernement autonome, dans le sens où les lois sont faites par le Parlement, les députés, les sénateurs, etc. Donc, ce sont des humains qui font les lois pour d'autres humains. Mais à cette époque-là, les lois étaient des lois divines. Et donc, c'est pour ça que c'était un système hétéronome. Alors, c'est très intéressant parce qu'on euh, a retrouvé cette stèle. Euh, et dans cette stèle qui est faite fait en basalte, écrite en cunéiforme verticalement, etc., bah, en fait, on, maintenant qu'on on a réussi à comprendre le cunéiforme, bah, on a réussi à, à comprendre ce qu'étaient ces lois et de quoi elles étaient faites. Alors, je vous en ai pris une. Il y en a, je ne sais pas, environ 125, 150, donc, euh, qui sont toutes écrites comme ça, qui décrivaient la manière dont les humains devaient interagir entre eux. Là, dans ces cas-là, les entités, c'est les humains. D'accord Est-ce qu'il les interactions, ce n'est pas des équations Enfin, ah, finalement, ce n'est pas des équations. Alors, ça dit quoi Donc y a, voilà, une des lois <coughs> dit euh, si un humain, un homme, à l'époque c'était des hommes, bien sûr, il euh, y, y a toute une hiérarchie, on y reviendra après. Donc, si un homme a une, une dette contre lui s'il a, a emprunté, etc., et que le dieu des tempêtes, Haddad, euh, dévaste son champ, ou alors s'il y a une, une inondation euh, qui a emmené toutes ces, euh, toutes ces céréales, ou s'il n'y a pas de grain qui a poussé dans son champ à cause du fait qu'il n'y a pas assez d'eau, donc là ça gère trop d'eau, là ça gère pas assez d'eau, là ça gère le vent, ça, ça essaie de, de tout gérer, alors dans cette année... Donc, dans l'année où ces catastrophes se sont produites à cause du dieu Haddad, eh il n'aura pas à euh, redonner du grain à son euh, créditeur. Euh, il va, euh, un, le contrat sera interrompu pendant toute cette année et il n'aura pas besoin de payer d'intérêt pendant toute cette année. Donc, il avait déjà la notion d'intérêt, la notion de tout ça. Vous voyez que c'est sympa, ben, ce n'est pas de sa faute. Donc, pas d'intérêt sur le fait qu'il doit de l'argent, il n'a pas pu rembourser. Alors, bon, outre le, la loi qui est. Elle même intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en quoi. Donc, vous avez vu que quand c'est une loi scientifique, ça a été fait avec des plus, des moins, des multipliés, des divisés, ce genre de choses. C'est ça, les opérateurs. Et là, c'est quoi les opérateurs Il eh ben, y a un if-then. Hein, donc, c'est si. On se retrouve en informatique. Tiens, if-then-else, euh, tout ça. Donc, si une condition, mais cette condition, vous voyez qu'elle contient des et et des ou. Ah, et puis, tiens, des noms. Tiens, et ou non. Ah, C'est ce qu'on appelle les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, bah on se retrouve dans le monde de l'information, dans le monde des ordinateurs et tout ça, à cette époque-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a et bah, En fait, si une condition, alors une autre condition, bah, c'est ce qui définit l'égalité, c'est ce qui définit ce qui est juste. Donc, en fait, le if-then, c'est l'équivalent du signe égal. D'accord Si ceci se produit, alors il est égal, il est juste que, ce, ça, que euh, cette pénalité ou etc. Soit, soit, soit appliquée. Alors, maintenant, bah, ça nous amène vers quoi bah, Ça nous amène vers le fait que. Lorsque les lois sont euh, des lois humaines, des lois qui, soient, qui déterminent le comportement des entités euh, euh, animées euh, les unes entre les autres, donc quand c'est des animés non humains, on appelle ça l'éthologie, la science du comportement. Lorsque ce sont des animés humains, la manière dont on doit interagir entre nous, ça s'appelle l'éthique. Hein, c'est le comportement entre les humains. Donc on se rend compte que finalement, bah, elle est faite avec de la logique. Alors c'est qui euh, la logique bah, En fait. Euh, euh, la personne qui a bien compris tout ça, c'est georges boule. c'est pour ça qu'on a des bouléens les bouléens c'est comment est-ce qu'on détermine des informations qui sont vraies, fausses, et comment est-ce que le vrai et le faux se combinent ensemble? Euh, alors, quelle est l'étymologie de logique? eh bien, on va revenir dessus à la fin de, ce, la fin de cette présentation. Euh, c'est la notion de logos, <coughs> raison, idée, etc. mais c'est aussi le le, le, la, les premières phrases du, du prologue de, euh, de euh, euh, saint- Jean donc, euh, ah zut excusez moi j ai, j ai, de l'évangile selon, selon saint Jean et on va voir euh, on va voir l'importance que ça a tout à l'heure alors maintenant bah, ça nous amène on, on sait à peu près ce que c'est plus ou moins multiplié mais les gens savent beaucoup moins ce que c'est que la logique et comment fonctionnent les logiques et les opérateurs logiques alors donc la logique c'est l'étude du raisonnement. Et c'est important, bien sûr, bien, en intelligence artificielle, parce que ça a tout mélangé, l'intelligence artificielle. Et donc, on va regarder un peu ce que c'est que l'algèbre la, booléenne. Et en fait, l'algèbre booléenne, ça ne fonctionne pas comme euh, une algèbre euh, arithmétique, euh, plus et moins. Donc, il se trouve qu'on a aussi des opérateurs. D'accord Alors on a un opérateur, donc on a déjà parlé un petit peu avant, ou et on a un opérateur et. et finalement c'est très très similaire à l'arithmétique générale qui a deux lois. Alors c'est quoi les lois Eh bien voilà, si j'ai A qui vaut 0 ou B qui vaut euh, ces valeurs-là ici, donc là la première ligne, ça va être quand A et B valent 0 et 0, eh ben, A fois B, 0 fois 0 ça fait 0. A et B, tiens, donc faux et faux, ça fait faux. C'est 0 aussi. Et si j'ai A plus B, donc l'opérateur arithmétique, 0 plus 0, ça fait 0. Et A ou B, tiens, ça fait 0 aussi. Et on se rend compte qu'il y a une similarité euh, très proche entre la notion de et et la notion de multiplier. Vous voyez que 0 fois 1, ça fait 0. Zéro. 0 bah, zéro, faux et vrai, ça fait faux. Euh, vrai et faux, ça fait 0. Enfin, donc vous voyez que c'est exactement la même chose. Et là, quand j'ai 1 fois 1, ça fait 1. Et bien, vrai et vrai, ça fait vrai. Donc, de ce côté, il a pas de problème. Maintenant, quand je regarde du côté de l'addition, ben, 0 plus 0, ça fait la tête à Toto. Euh, 0 plus 1, ça fait 1. Tiens, 0 ou 1, ça fait 1. Euh ah, euh, pardon, euh, faux ou vrai, ça fait 1. Euh, vrai ou faux, 1 plus 0, ça fait 1. Vrai ou faux, ça fait 1. Et alors, maintenant, là, je vais vous poser des questions. Après vous, ça fait quoi 1 plus 1. Est-ce que vous savez ce que ça fait, 1 plus 1 souvent ça fait deux d'accord et d'après vous ça fait quoi vrai plus vrai ben, en fait c'est ça le gros problème c'est que vrai plus vrai ça fait vrai et ça fait pas deux fois vrai et donc ce qu'on comprend ici c'est que l'addition l'arithmétique elle est ce qu'on appelle additive 1 plus 1 ça fait 2 alors que la logique n'est pas additive quelque chose qui est dix mille fois vrai ben, c'est quelque chose qui est vrai D'accord? Et le problème, l'énorme le, problème qu'ont les ordinateurs, c'est que les ordinateurs, ils travaillent avec vrai, faux. C'est des opérateurs bouléens. Donc, ce que vous êtes, les ordinateurs ne savent pas compter, il ne faut pas le dire. Si vous demandez à un ordinateur combien ça fait 1 plus 1, l'ordinateur va lui dire, bah, ça fait 1. Pourquoi? Parce que, que l'ordinateur, il fonctionne avec du vrai. Et pour un ordinateur, vrai et le vrai ou vrai, c'est-à-dire vrai plus vrai, bah, ça fait vrai. Ça ne fait pas deux fois vrai. Alors c'est très intéressant parce que en euh, informatique, la manière dont on implémente le vrai et le faux, euh, le vrai c'est 5 volts, il y a un courant dans un fil, et le courant c'est plus 5 volts, le faux c'est 0 volts. Donc heureusement que ce n'est pas additif parce que euh, si je cherche à euh, 5 volts plus 5 volts, bah, si c'était additif ça devrait faire 10 volts. Hein Et puis, euh, si je cherche à afficher ce qu'il y a sur mon compte en banque, si j'ai, euh, si j'ai 2000 euros sur mon point de compte en banque, bah, tout d'un coup, l'ordinateur, il devrait afficher 10 000 volts. Alors, faut que je m'en aille forcément, parce que si j'additionne, hein, si j'additionne les volts. Donc, vous voyez bien que c'est un, un gros, problème. heureusement, quand j'affiche un million, j'ai pas un million, j'ai pas 5 millions de volts qui sortent de mon ordinateur. Et j'en suis très heureux. Mais ça veut dire qu'on a un très gros problème, c'est qu'on ne sait pas faire calculer les ordinateurs. Il faut, faut, calque, faut faire des circuits logiques, justement, pour faire des additions, pour faire des soustractions, des divisions, des multiplications. C'est tout un bins, parce qu'on essaye de faire du calcul avec des machins qui ne savent pas calculer, parce qu'ils sont basés sur la logique. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'être basé sur la logique On va voir que ça a d'autres influences, c'est que si avec les sciences dures, la science des cailloux, <laughs> eh ben donc les lois, c'est des égalités. Etc., eh bien, nous, alors c'est quoi le mécanisme déductif de logique qui permet de fabriquer C'est quoi l'égalité dans, dans la notion de logique Eh bien, l'égalité dans la notion de logique, c'est ce qu'on appelle le syllogisme. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un peu de, un peu de, de, de loi, un peu de euh, 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 juridique. Euh, et bien bah le syllogisme, le syllogisme, c'est sur le syllogisme que doit être que basée toute la législation, toutes les lois. Et si un jour vous allez au tribunal, et bien bah le le euh, les avocats, euh, euh, le procureur, euh, les juges, euh, etc., doivent se baser leur raisonnement sur le syllogisme. Et malheureusement, bah, vous allez voir que le syllogisme, ce n'est pas un truc qui est facile à comprendre et du coup, ce n'est pas un truc qui est très compris, y compris des, des spécialistes du domaine. Alors, ça fonctionne en utilisant deux modes. Le premier mode, c'est le modus ponens. C'est la modalité qui donne le pouvoir, c'est ça qui donne le, le pouvoir à la justice de, de, vous, de, de vous mettre en prison ou pas. Et il y a l'inverse du modus ponens, c'est la modalité qui réfute les choses. Et on va voir comment ça fonctionne. Alors, la personne qui a compris ça, mais tout a été inventé en Grèce il y a, 2000, il y a plus de 2000 ans, même l'IA, enfin, on va voir qu'il y a tout plein de choses. Hein, ils avaient tout compris, les Grecs. Alors, c'est euh, Théophraste de Lesbos et Eudem de Rhodes okay, qui ont travaillé sur le syllogisme, euh, qui veut dire euh, voilà, inférence, conclusion. Donc, comment ça fonctionne C'est l'aspect performatif de la loi. Donc, si on a A implique B qui est vrai, voilà, on a une proposition. Ensuite, si A est vrai, alors ça signifie que B est vrai. Alors la manière dont on traduit ça habituellement euh, en, en philo, c'est de dire, ben bah, voilà, euh, on a une proposition qu'on fait, on va dire si tous les humains sont mortels, ça ça va être être humain implique être mortel, alors si Socrate est humain, et voilà, si A est vrai, ça implique que Socrate est mortel. Okay alors d'un point de vue... Euh, euh, table de vérité, c'est comme ça qu'on fait en informatique. Donc, je reprends mes A, B, euh, 0, 1, etc., etc. Alors, ça, on arrive à comprendre à peu près, les... Mais c'est très important parce que c'est la vie de tous les jours, c'est comment est-ce qu'on interagit avec les gens, c'est basé sur la logique, c'est basé sur euh, cette déduction. Donc, la déduction, c'est que si je pars d'un truc vrai, et eh bien vrai implique faux, bah ben non, c'est pas vrai, donc là, l'implication, elle est fausse. Maintenant, vrai implique vrai Ah, bah oui, bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, là, dans ces cas-là, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Et alors là, ce que les, les gens ont du mal à comprendre, et malheureusement, les professionnels aussi euh, de la justice ont du mal à comprendre ça, c'est que d'après vous, qu'est-ce qui se passe si je commence avec une prémisse fausse C'est-à-dire que si, si Socrate n'est pas un homme, n'est pas un humain. Voilà. Et est-ce que. Le fait que Socrate ne soit pas un humain, soit je suis capable de déduire que Socrate est immortel. Ou est-ce que le fait que Socrate ne soit pas un humain me permet de décrire que euh, Socrate est mortel D'après vous, c'est quoi l'implication Alors, je vous ai mis. En fait, c'est la même chose à gauche et à droite, c'est pour vous montrer que l'implique, le, le qui est ici, le syllogisme, il a une transcription en logique, c'est non A ou B. C'est comme ça qu'on qu décrit ça en, manière, en matière logique. D'après vous, si les prémices sont fausses, qu est-ce que la conclu... qu'est-ce qui est la conclusion Alors Là, j'ai quelqu'un qui dit un, j'ai quelqu'un qui dit faux. Alors faux, est-ce qu'on va faire un, un, un truc à main levée Généralement, malheureusement, les gens pensent que si la prémisse est fausse, eh bien forcément, la déduction et le reste est complètement faux. Et là, je vais peut-être vous surprendre un peu. C'est que, en fait, on a, c'est toujours vrai. Alors l'idée qui est l'idée profonde et importante à comprendre qui est derrière ça, c'est que si je commence d'un d'une idée fausse, de quelque chose qui est faux, je peux tout déduire d'un truc qui, au départ, était faux, vu qu'au départ, c'était faux. <laughs> Alors, par exemple, euh, ben bah, voilà, euh, euh, j'ai euh, 10 milliards d'euros, de, de, donc euh, je vais voir euh, euh, Beneteau et je vais dire, ben bah, voilà, euh, je veux acheter ce bateau qui coûte euh, euh, 5 millions d'euros, voilà, j'ai 10 milliards, donc euh, donnez-le-moi. bah en fait, ça... Euh, je, possiblement, si je les ai... On peut me le donner le bateau, mais en fait je ne les ai pas. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir d'une prémisse fausse, si je dis j'ai 10 milliards d'euros, bah, je peux tout acheter. Donc là, de ce côté-là, ça, ça valide le truc, mais malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas vrai. Donc là, il y a une grosse différence à faire entre le concept qui est quand je pars d'une un, chose fausse, tout devient possible, parce que de toute façon, au départ, c'était faux. Mais alors après, dans la réalité, c'est pas la même chose. Donc on va voir un peu l'implication de ce truc-là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, il faut se souvenir de ça. C'est qu'en logique, eh bien faux implique vrai, c'est vrai. Et faux implique faux, c'est vrai aussi. Quand, en partant d'un truc faux, je peux tout déduire ce que je veux. Ça c'est très très important à comprendre ça. Alors maintenant... Donc pourquoi c'est important Ben voilà, j'ai tapé euh, là ici euh, hier euh, le syllogisme j, juridique, définition, exemple. Donc euh, j'ai pris ça sur le web hein, euh, par Maxime Bizeau. Euh, hein. Donc si vous êtes étudiant en droit, vous devez impérativement comprendre et maîtriser le syllogisme. D'abord parce que le syllogisme est de raisonnement par excellence juriste. Un juriste n'est pas quelqu'un qui apprend par cœur son code civil, mais quelqu'un qui raisonne à l'aide du syllogisme juridique que personne ne comprend. <laughs> voilà. Parce que là, pour l'instant, ça va. Parce qu'on le fait dans le bon sens, mais ça, ça, titille, ça titille les gens que faux implique vrai, que faux implique vrai, ça soit vrai. Hein. Attention, que faux implique quelque chose, ça soit vrai. Bon, alors après, il y a le pire. C'est qu'est-ce que c'est que la contraposée du syllogisme La contraposée du syllogisme, c'est quand j'ai une implication dont je pense qu'il est vrai. Comment est-ce que j'inverse ça C'est le fameux moses tollens. C'est le fait de réfuter les choses. Eh bien, euh, la plupart du temps, donc je vais dire euh, voilà, si A implique B est vrai. Alors comment est-ce que je, je remets l'inverse Les gens disent, voilà, si A implique B est vrai, mon truc il ne marche plus, il est là, eh bien la, la réfutation de ce truc-là, ça doit être de dire, bah, si A est faux, alors B est faux. Mais en fait ce n'est pas ça, parce que vous voyez bien que si A est faux, alors tout le reste est vrai. Donc la manière dont ce truc-là s'inverse, ça s'inverse en renversant les deux propositions. C'est-à-dire que, alors on va, on va le faire ensemble, donc si tous les humains sont mortels et vrais. Si Zeus n'est pas mortel, donc si B est faux, alors ça veut dire que Zeus n'est pas humain. Et ça, ça fonctionne bien, ça s'inverse bien, ce syllogisme s'inverse bien si on part de B, donc ça veut dire que lorsque B est faux, A sera faux. Mais ça ne veut pas dire que lorsque A est faux, B est faux. Parce qu'encore une fois, lorsque A est faux, eh bien, euh, on a tout... quand on démarre d'un truc faux, tout le reste devient vrai. Donc, ça s'inverse, et ça, ça ça fait des nœuds dans les neurones de tout le monde. Okay Alors, la preuve, c'est que j'ai vu, il y, a, il y a trois semaines, il y a un meme qui est arrivé sur Internet, et euh, vous allez voir que c'est assez amusant. Il y a quelqu'un qui a fait justement une proposition comme ça, qui s'appelle René Descartes. Euh, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et donc est apparu, il y a quelque chose comme deux, deux trois mois, euh, cette, euh, cette image-là sur Internet. Et donc ça, c'est la tête de Descartes quand il a pris conscience que les personnes qui n'existent pas, euh, que les personnes qui ne pensent pas existent aussi. Voilà. Donc je pense, donc je suis. Donc pour les personnes, bah, si je ne pense pas, donc je n'existe pas. Et ça, c'est quand il a rendu compte que, ben bah non, il y a un mec qui ne pense pas, il existe. Donc vous voyez la tête qu'il fait. Donc ça, bien sûr, ça fait, ça fait rire tout le monde sur Internet. Mais est-ce que vous voyez le gros problème qu'il y a derrière C'est qu'en fait, l'inversion du syllogisme si je pense donc je suis, elle a mal été faite. C'est-à-dire que euh, je pense donc je suis, ça a été inversé en, en, en disant je ne pense pas donc je ne suis pas. Mais c'est pas comme ça que ça s'inverse. Je vous ai dit que ça s'inversait. La bonne manière d'inverser ça, c'est d'inverser les deux. Et si j'inverse, si je dis si B est faux, ça implique que A est faux, alors là, ce que dit Descartes, ça prend tout son sens, ça dit... Donc je pense donc je suis donc si je ne suis pas si je n'existe pas alors je ne pense pas et là c'est nickel et donc là ça s'inverse correctement mais pour vous montrer à quel point, à quel point les gens <laughs> ne le comprennent pas euh, dans Stack Exchange c'est un endroit où les gens se posent des questions etc sur la philosophie donc Stack Exchange philosophie euh, question qui est posée bon il y a sept ans mais hein, euh, est-ce que nous n'existons pas lorsque nous ne pensons pas, comme l'a dit Descartes Ou est-ce que nous pensons continuellement et démarre une, une discussion complètement oiseuse là-dessus Donc, avec le prémisse de cette discussion sur la philosophie, est-ce que nous n'existons pas quand on, quand on ne pense pas Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, Descartes. Ça ne s'inverse pas comme ça. Ça s'inverse en disant est-ce que si nous n'existons pas, nous ne pensons pas Ben oui, si on n'existe pas, on ne pense pas. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez que tout, tout le, le, le démarrage de la discussion a été fait sur une, une inversion incorrecte du syllogisme. Le modus tollens a été mal fait. Et donc, euh, bah, du coup, je suis content. J'ai trouvé, vous savez, je mets, je mets des, des petites photos des philosophes, des trucs comme ça. J'ai trouvé la photo de Théophraste lorsqu'il a lu ça en, en 2016. Ça, c'est la photo de Théophraste. <coughs> Quand il s'est rendu compte qu'en 2016, les philosophes ne, ne comprennent toujours pas le modus tollens, et la manière dont, euh, dont, il, dont on inverse correctement les syllogismes. Voilà. Ça, c'est un énorme problème, comme vous pouvez l'imaginer. Surtout quand. Alors. Euh, donc maintenant, revenons sur... Euh, bon, il y a des différences entre l'arithmétique la, et la logique. Il y en a un qui est distributif par rapport à l'autre. La, la multiplication est distributive par rapport à l'addition, la, la, mais pas l'addition, n'est pas distributive par rapport à multiplication Mais c'est le cas euh, en logique. Il y a plein de différences comme ça qui font qu'on n'est pas dans les mêmes mondes. Ce c'est pas, pas la même chose. La science est, et la science humaine, l'arithmétique plus ou moins multipliée, divisée, ça ne fonctionne pas pareil que euh, et ou et, et, et non. Euh, <coughs> Alors maintenant, bah, la différence entre l'intelligence artificielle et naturelle. On peut moi ce que je propose dans mes travaux, et c'est comme ça que je fais ça, je propose de définir l'intelligence de manière extrêmement simple. Je dis que euh, euh, l'intelligence, c'est le fait d'être capable de trouver, de comprendre la relation qu'il y a entre des objets. Vous avez la Terre, vous avez le Soleil, et bah euh, Newton il a trouvé la relation qu'il y avait entre les deux, c'était qu'en fait, il y en a un qui attirait l'autre, suivant la force de la loi universelle de gravitation, et comme c'est son cerveau humain qui a réussi à partir de des trajectoires de Tycho Brahe, de la seconde loi de Kepler, du machin, etc., est il a réussi à mettre tout ensemble, et à trouver la relation qu'il y avait entre le Soleil et la Terre, entre le Soleil et la Lune, entre le machin, etc. Eh ben, il a utilisé l'intelligence naturelle. Et donc, moi, ce que j'ai fait faire l'année dernière à mes étudiants d'intelligence artificielle, c'est que je leur ai donné la trajectoire de la Lune autour de la Terre. Et je leur ai dit, voilà, vous êtes Newton. Pouvez-vous faire un programme d'intelligence artificielle qui serait capable de retrouver une loi de corrélation, d'interaction entre la Terre Et eh bien, ils ont trouvé. Et donc. Là, leur ordinateur, ce n'est pas eux qui l'ont fait, hein, ils ont lancé un programme d'apprentissage de, de, automatique, et bien l'ordinateur a retrouvé la loi universelle de la gravitation de Newton. Et bien bah, là, dans ces cas-là, pour moi, bah, c'est de l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas un humain qui a trouvé euh, la grande F égale euh, grand G fois M1 fois M2 sur la distance au carré, c'est un ordinateur qui a trouvé ça à partir des données, à partir des mêmes données que celles qu'avait Newton. Donc voilà, ça définit relativement simplement la notion d'intelligence, c'est l'intelligence artificielle. Donc, les objets, c'est encore une fois ce qui est, ce qui est là. L'intelligence, c'est la relation, c'est comment les Intel les gèrent, la manière dont les choses sont interreliées. Inter quand la formulation de ce truc-là sous la forme d'une loi est faite par un humain ou un chien ou n'importe quoi, et ben en fait, on appelle ça l'intelligence. Puis quand c'est fait par une machine, on appelle ça l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ma définition propre. <laughs> Mais vous avez le droit de la reprendre si elle vous intéresse, bien sûr. Alors, euh, donc, machine learning. Eh bien c'est ça, c'est le fait de trouver les lois. Et alors maintenant, c'est intéressant, ça permet de faire la distinction avec la notion d'optimisation. Et l'optimisation, c'est lorsqu'on a déjà la loi, on connaît cette loi qui existe, et on voit un, on voit un météore qui passe dans le ciel, on voit un astéroïde. Eh bien, en connaissant gros, après, euh, une approximation de la masse de la Terre, quand on regarde la trajectoire du, du météorite, ou de, euh, eh bien, du coup, on est capable d'en déduire sa masse, on est capable d'en déduire sa vitesse, sa trajectoire, etc. Parce que, mais là, dans ces cas-là, le, le fait de déduire la masse à partir de la trajectoire, quand on a déjà la loi, bah ça, c'est du coup, c'est ce que c'est ce que moi j'appelle l'optimisation. L'optimisation, c'est trouver les valeurs qui permettent de déterminer les objets. Donc voilà, c'est ça la différence entre les deux. Alors maintenant, bah, regardons la notion d'intelligence. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul type d'intelligence dans le monde Et bah, regardons un petit peu ça. Euh, pendant des milliers d'années, l'homme, l'humain, a essayé de voler, puis il n'a pas réussi. Puis maintenant, je pense qu'on est tous capables de dire qu'avec des vidéos comme ça, bah, voilà, on est capable de voler. On est capable de faire des trucs que les oiseaux n'arrivent pas à faire. Hein. On peut voler sur le dos, on peut faire j'avais une mouette voler sur le dos, euh, non. Les mouettes ça ne vole pas sur le dos, les pigeons non plus, euh, mais pourtant les avions ont fait ça très bien. Et euh, <coughs> euh, euh, alors maintenant, est-ce que nous on a essayé, est-ce que nous on réussit à voler comme les oiseaux? Ben, je vais vous montrer la, la dernière tentative, euh, à ma connaissance, qui est en 2006, de faire un avion qui vole comme un oiseau. Voilà, donc euh, ça devrait démarrer. Donc 2006. Alors là, c'est un avion qui a un moteur, bien sûr, mais le moteur n'est pas connecté à une hélice, n'est pas connecté à un, à un jet ou à quoi que ce soit. Le moteur est, est juste connecté à des ailes. Et le but du jeu, bah, c'est d'arriver à regarder, est-ce qu'on est capable de voler comme un oiseau euh... Donc voilà, donc euh... mais là, il n'y a, a que les ailes, hein, c'est quand même intéressant. Et... Alors bon, traverser l'Atlantique comme ça, il faut un gros sac vomitif, parce qu'à mon avis, euh, faire ça comme ça, c'est... Ouais. Et il y a quand même le décollage. Donc, yes, on réussit enfin en 2006 à voler comme un oiseau. Alors, après, il faut arriver à contrôler le vol et puis après, il faut arriver à se reposer euh, correctement. Et puis là, bah, on se rend compte que euh, l'atterrissage euh, et le contrôle du vol est un peu difficile. Et voici le premier et dernier atterrissage connu d'un avion volant comme, volant comme un oiseau. Voilà. Mais pourtant, on vole. Mais vous voyez bien qu'on vole, mais pas comme les oiseaux. Et maintenant, ce qui nous a empêchés en fait, de voler pendant des milliers d'années, c'est qu'on a essayé de voler en battant des ailes. Alors que si on essaye de voler sans battre des ailes, eh ben voilà ce que ça donne. Euh, ça, c'est 1973, je crois. Alors, il y a des gens maintenant qui font des delta planes comme ça. Alors, ils font ça avec quoi eh ben, Du bambou, parce que c'est une super résistance. Hein de la toile, euh, et puis euh, ben, des cordes. Puis Une fois que vous avez alors, du, des morceaux de bois, de la toile et des cordes, sincèrement, ça c'est technologie euh, Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ était habillé, il avait de la toile. Euh, tout, d à partir du moment où il y a des habits, à partir du moment où on fait, on fait des vêtements, de la toile, à partir du moment où on a des cordes et puis à partir du moment où on a du bois, on peut voler comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas volé comme ça pendant des milliers d'années C'est parce qu'on s'est obstiné. À, il y a je ne sais pas combien de gens qui sont morts en essayant de battant des ailes, en se, en se jetant de la tour Eiffel. Vous avez toutes les vidéos qui sont comme ça. Le problème c'est de battre des ailes. Nous on sait pas faire. Okay Mais si on accepte de pas battre des ailes, Oh bah C'est bien, on vole très bien, on vole comme, mais, pas, mais pas comme les oiseaux. Donc voyez que maintenant, si je ramène ça à la notion <coughs> d'intelligence, est-ce bah que les, les, les avions volent comme des oiseaux Est-ce que les sous-marins, est-ce qu'ils nagent Est-ce que vous avez vu des, des sous-marins qui avancent en se tortillant ben Non, les sous-marins, ça n'avance pas en se tortillant. Et donc, pourquoi est-ce que l'IA devrait avoir une intelligence qui serait de la même nature et du même, hein, que l'intelligence humaine. En fait, se fabriquer des contraintes qui finalement n'ont peut-être pas besoin. On sait, encore une fois, on sait voler, mais pas comme les oiseaux. Alors, euh, est-ce que d'autres animaux sont intelligents Alors, je vais vous montrer. Donc là, on a un oiseau. <coughs> un oiseau, c'est une hein, tête de linotte. <laughs> les linottes, c'est pas très intelligent. Ben voilà, hein, c'est une espèce de héron. Et puis en fait, il est à la pêche et il a compris que les poissons ça aime les morceaux de pain, donc elle a été fauché un petit morceau de pain, et puis, euh, et puis il a la pêche. Donc qu'est-ce qu'il va faire et bien, Du coup, il va euh, attendre, alors là, alors là c'est là où on voit quand même la notion d'intelligence. Donc il met son petit morceau de pain en attendant qu'un poisson... Alors... Pas n'importe quel poisson, parce qu'en fait, il y a des poissons qui sont super gros. Là, il est plus gros que il est plus gros que le moineau. Alors forcément, il va se faire bouffer son morceau de pain. Donc comme c'est son morceau de pain qui est son appât, bah, il n'a pas envie de se le faire manger par des poissons qu'il n'est pas capable d'attraper. Donc qu'est-ce qu'il fait Il attend que les gros poissons passent. Ça y est, il n'y a plus de gros poissons. Hop, il va remettre son, son truc là. Là, il l'a pris parce qu'il y a des poissons qui, qui sont trop gros pour lui. Donc il attend, bah c'est comme les, hein, la pêche, il hein, faut attendre. Oula, non, non, hop, je reprends ça parce que <laughs> je vais me le faire bouffer et cela je ne peux pas les manger. Et puis après, ça y est, ils sont partis. Et puis, et puis ah non, là non plus, ça va pas. Enfin, il a la pêche, quoi. Et puis au bout d'un moment, euh, hop, bah ça y est, il a trouvé son petit poisson de la bonne taille. Et, parce que lui, il ne mange pas de pain, il mange des poissons. Bah là, il y a quand même de la réflexion. Vous avez vu, quand c'est des gros poissons, il prend son morceau de pain. Il a fallu déjà trouver euh, l'idée d'aller pêcher avec un morceau de pain. Enfin, zut, c'est incroyable, quoi. Donc, euh, si les gens qui disent non, les animaux, c'est bête, euh, on appelle ça des bêtes d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas intelligent. Bah, là, le truc là, il avait, hein, il avait quelques neurones dans, dans sa tête. Alors, euh, et d'après vous, les plantes, est-ce qu'elles sont intelligentes? Et est-ce qu'elles sont capables d'apprendre? Et d'apprendre comment. Je vois des gens qui font des grimaces. Est-ce que ça apprend Est-ce que quand vous parlez à votre plante tous les jours, elle vous est reconnaissante ou pas Alors, il y a un test d'apprentissage qui est très connu, euh, qui s'appelle le, le test de Pavlov. Alors, Pavlov, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'était euh, donc le, 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 le test c'est qu'on prend un chien. Euh, on le met dans une cage, il a rien à manger et puis ce qu'on fait c'est qu'on fait sonner une petite sonnette et puis euh, disons 30 secondes après que la ou une minute après que la sonnette sonne, on apporte de la nourriture. Et ben au bout de quelques fois, le chien qui n'est pas bête non plus. Il a fait la relation, tiens, faire la relation entre deux entités, entre l'entité sonnette et l'entité, il y a de la bouffe qui arrive. Donc, il a fait preuve d'intelligence. Et donc, on fait sonner l'un, et puis au bout d'un moment, euh, eh ben, le chien, il a appris, et quand la sonnette sonne, eh ben, il se met à saliver, il est tout content, il remue la queue, et puis il attend, euh, il attend la, la bouffe. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut transposer ça aux plantes Eh bien, en fait, ça a été fait il y a, il y a relativement peu de temps, et de façon superbe, en 2016, encore une fois. Et donc là, ils se sont dit, ben voilà, vous savez qu'il y a des plantes, euh, euh, des tournesols. Les tournesols tournent avec le soleil. Jusqu'à maintenant, on avait une interprétation de, des plantes qui tournaient avec le soleil. Que en fait, c'était la partie à l'ombre de la tige qui poussait plus rapidement que la partie au soleil. Donc, si vous avez le soleil qui est face à une, à une fleur, eh bien forcément, la partie de la tige qui est à l'ombre poussant plus vite, ça va orienter la fleur par ici. Si le soleil se déplace, qui va à droite, la partie à l'ombre se déplace. Et donc, finalement, bah, on a une, on a un, une plante qui, qui tourne avec le soleil. Et puis là, bah, on explique les tournesols, et puis il n'y a pas de problème. Eh Jusqu'en 2016, où les gens se sont dit bah, Voyons voir, essayons de refaire l'expérience de Pavlov. Et puis, on va la faire avec un truc qui pousse vite. Donc, on prend un petit pois, Et puis, dans les premières journées, les petits pois, ça pousse très vite. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit bah, Voyons voir, qu'est-ce qui peut être l'équivalent de la nourriture bah, L'équivalent de la nourriture, les plantes, ça mange quoi Ça mange de la lumière. Parce que ça prend, bien sûr, le, le, le CO2 qu'il y a dans, dans, euh, dans l'air. Et puis, avec la lumière, ça va faire de la photosynthèse. Et la photosynthèse ça va fabriquer du carbone. Donc, la nourriture d'une plante, c'est de la lumière et du CO2. Et puis. Euh, après, ça pourrait être sensible à quoi bah, Ils se sont dit, bah, peut-être que c'est sensible au vent. Alors, ça n'a pas de neurones, hein, c'est bizarre. Donc, euh, on ne sait pas ce que ça va... Bref. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un tube de PVC, ils ont mis une, un pot, là, avec euh, le petit, le petit poids qui était dedans, et ils ont fait des séances d'entraînement. Alors, à gauche et à droite, ils ont mis un ventilateur et puis une lampe à ultraviolet pour, euh, avec euh, qui permet de faire une grosse, grosse photosynthèse, avec de la bonne, de la bonne nourriture pour plantes, de la lumière. Et puis ils ont fait ça à gauche et à droite, et donc une session d'entraînement, c'est pendant 60 minutes ils ont fait, ils ont amené de l'air par un ventilateur de, du côté gauche, et après 60 minutes, pendant, euh, pendant une heure, ils ont démarré les UV, et puis ils ont arrêté le, le, le ventilateur 30 minutes après, etc. Donc ça c'était les séances d'entraînement, ils ont fait ça à gauche, ils ont fait ça à droite. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien comme on pouvait s'y attendre. Quand on allume la lumière ici, eh ben le petit poids se tourne à gauche pour récupérer sa lumière. Mais c'est normal, parce que soi-disant, ça, ça, ça pousse plus vite quand c'est à l'ombre. Donc forcément, il se tourne du côté euh, opposé où il y a la lumière. C'était la notion mécanique. Et donc, ils ont fait ça à gauche, à droite, etc. Et puis après, eh ben, grosse surprise, ils ont fait le test comme Pavlov. Euh, ils ont démarré le ventilateur à gauche et. Insta et sans qu'il y ait de nourriture, et ben le petit poids s'est tourné à gauche. Et si vous démarrez le ventilateur à droite, ben le petit poids tourne à droite. Donc, tout petit poids qu'il est, il a fait la relation entre le vent, qui vient de la gauche ou de la droite, et donc il sait que, tiens, il va y avoir de la lumière qui vient à droite, donc il se tourne. Donc, il a appris. Il est aussi capable d'intelligence. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour les. Je ne sais pas s'il y a des végétariens dans la salle. Je euh... <laughs> suis vraiment désolé. Les plantes apprennent aussi, la preuve, et vous pouvez faire l'exemple. Pavlov, ça marche sur les plantes, donc maintenant il faut sucer des cailloux, je ne sais pas ce qu'on fait. Mais... Ben voilà, c'est beaucoup plus difficile de manger de manière éthique et sereine quand on sait que les plantes. Voilà, bref. Ah, donc les plantes apprennent. Alors après, il y a tout plein d'exemples comme ça, mais je vois que le temps passe, ça fait déjà 43 minutes, on ne va pas rentrer là-dedans. Euh, quel est l'animal le plus intelligent sur Terre ben, Je vais vous le présenter, c'est celui-là. Euh, c'est un cénorhabditis elegans. Alors pourquoi est-ce que c'est le plus, plus intelligent sur Terre C'est qu'en fait, euh, c'est une forme d'othélie. Les cénorhabditis elegans sont exactement 1035 cellules, toujours les mêmes. Mais chose incroyable auquel on s'aperçoit quand on a disséqué ce machin-là, de ces 1035 cellules, un tiers sont des neurones. Un tiers des cellules de ce bestiole-là sont des neurones. Qu'est-ce qu'il fout avec un tiers de, 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 de ce qu'il le constitue comme étant des neurones Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être si intelligent que ça, ce truc-là Et rapporté euh, euh, à un humain, eh ben, ça voudrait dire que notre cerveau devrait faire 15 kg au lieu de faire un kilo 1 kg 5. Euh, comparé à sa masse, il a, il a 10 fois plus de cerveau que nous, ce truc-là. C'est incroyable. Bon, bah, bon, alors c'est bien parce qu'on a euh, du coup on a fait son connectome, euh, comme ils sont tous absolument identiques, bah, on, a, on a regardé, tel neurone est relié à celui-là, par etc. C'est et quand même assez étonnant ce truc là. Un tiers de, un tiers de ces cellules, c'est des neurones. Waouh. Bref. Alors maintenant on arrive sur une notion, une autre notion d'intelligence qui va nous amener sur la notion d'intelligence artificielle, c'est celle de Michel Serre, euh, qui, qui était un philosophe qui est mort maintenant il y a trois ans quelque chose comme ça deux ans trois ans euh, et, et alors lui ce qu'il avait fait c'est qu'il avait fait une proposition c'était que le, la faculté de l'homme ce qui était spécifique à l'humain c'était d'avoir était avoir été capable d'externaliser ses fonctions corporelles donc l'idée qui l'exemple le, qui donnait facilement c'est que tout bêtement bah voilà si je veux boire avec ma main je vais mettre ma main sous l'eau mais forcément l'eau va tomber au, au milieu des, des trous de ma main donc Autant fabriquer une main artificielle, ça, bah, ça s'appelle une cuillère. Une cuillère, c'est une main avec un manche. Euh, le manche, c'est l'avant-bras. Et, -bras. et bah, plutôt que de faire ça avec ma main qui, qui, qui est percée, bah, maintenant, je peux boire. Si j'ai un marteau, euh, qu'est-ce que c'est qu'un marteau Au lieu de, si je veux taper sur un clou, je vais me faire mal à mal au poing. Et bah, j'invente un marteau. C'est un point en métal avec un manche en bois. Ah, bah, tiens, c'est un avant-bras et un poing. Finalement, c'est la même chose que ça. Et on peut imaginer que les vêtements, bah, c'est des poils amovibles et tout. Et donc, pour lui, la, 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 la capacité d'être humain était vraiment ce, 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 son inventivité. Ça a été d'être capable d'externaliser ses fonctions corporelles. Et là où c'était intéressant, c'est qu'il a fait une super vidéo que je vous conseille de regarder sur Internet. Euh, ça doit être la, la parabole de Saint-Denis. C'est comme ça que c'est le titre de la vidéo. Et donc, là, en fait, il raconte que. Quand il était lui-même étudiant en philosophie, eh bien on lui avait appris que la cognition était faite de trois facultés, dont qui étaient bien sûr dans notre tête c'était la mémoire, l'imagination et la raison. Mais maintenant, bah, ce qu'il dit, c'est que la mémoire. Alors, la mémoire, ça fait un certain temps qu'elle avait déjà externalisé. La mémoire est externalisée quand on a fait l'écriture. Parce que quand on ose souvenir quelque chose, bah, on prend des notes. Et puis après, deux ans après, on relit ces notes. Ah oui, il y avait un truc qu'on avait oublié. Bah maintenant, on n'est pas obligé de tout mémoriser. Donc la mémoire, on l'avait déjà externalisée. Mais la mémoire, vous êtes d'accord que... Alors, c'est pareil avec les, les images. L'imagination, c'est les images que vous avez dans votre tête. que vous Et les images, bah, vous faites des peintures, vous faites des photos, des peintures rupestres, etc. Et ça vous... Ça, vous ça, ça titille votre imagination. Puis après, la raison, bon, bah là, ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant avec les ordinateurs et bah, avec les ordinateurs dans les ordinateurs on a toute la mémoire qu'on veut hein, avec internet on a même accès à absolument ce qu'on veut après les images bah, toutes vos photos de vacances vous les avez mises dedans vous avez même des films vous avez des choses qui vous font imaginer des, 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 des choses dans des ordinateurs hein et puis la raison bah, les ordinateurs ils sont capables de faire de la logique de la logique inductive sans se tromper comme certains humains euh, ils sont capables de faire de l'arithmétique et tout et tout bah, finalement donc c'est l'ultime stade de de l'inventivité humaine, c'est qu'on a réussi à externaliser notre cerveau euh, et notre, et, tout, et la cognition et maintenant bah, donc vous êtes toutes et tous, je pense ici, euh, des humains augmentés qui n'a pas de téléphone portable avec lui. Y a-t-il une main qui se lève Non. il n'y a pas une seule main qui se lève. donc euh, je vous annonce que vous êtes tous des, des humains qui avaient externalisé votre tête. C'est-à-dire qu'en fait, bah, dans votre téléphone portable, il y a de la mémoire, tout ce que vous avez, vos notes, vos machins, les listes de courses, des images, euh, des photos, euh, des films, des, des vidéos, etc. Et puis, bah, ce truc-là, ça fait avec, grâce au GPS, ça vous dit, ça vous fait le raisonnement pour trouver le meilleur moyen d'aller du point A au point B, etc. Donc, vous n'avez plus besoin de le faire vous-même. Vous n'avez -même, vous même plus besoin de savoir où vous habitez. Vous pouvez vous perdre dans votre ville. Dès que vous avez ça, et bah, ça y est, c'est votre cerveau qui est, qui est externalisé dans votre poche ou dans votre sacoche. Voilà, donc vous voyez qu'on arrive à la notion d'externalisation des... Bon, alors maintenant qu'on a fait un peu toute cette présentation de la notion d'intelligence, qu'est-ce que c'est hein Maintenant, regardons un peu la notion d'éthique, si on veut arriver à mettre ça ensemble. Alors, il faut comprendre que depuis l'origine de la civilisation, on va faire remonter ça à dix mille ans environ, l'agriculture, euh, eh bien, en, attention, en Occident, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs éthiques qui se sont succédées jusqu'au XXe siècle. Alors les éthiques, les, ce qu'on appelle ça des méta-éthiques, les méta-éthiques qui sont succédées de 10 000 ans, alors il faut savoir qu'elles se superposent, elles ne se remplacent pas l'une l'autre, c'est très important de comprendre ça, elles s'ajoutent les unes aux autres. Donc il y avait la notion de supernaturalisme, il faut que je fasse ça pour que ça passe à la vidéo, donc super, le supernaturalisme, c'est-à-dire une éthique qui tient compte de, de Dieu, de, de choses qui sont au-delà du naturel, hein, surnaturel. Après du XVIe siècle jusqu'à maintenant, eh ben, c'est ce qu'on appelle le relativisme culturel, et avec ce qu'on appelle l'éthique républicaine, on va regarder un peu plus rapidement, un peu plus en détail, ce que c'est, et jusqu'à maintenant, eh ben, maintenant on a une, une éthique basée sur l'individu et une éthique basée sur les personnes, basée sur les gens. Alors, et donc la question qu'on va se poser, nous, maintenant, c'est est ce qu'on a des nouvelles méta éthiques qui sont apparues au XXIe siècle, qui est le siècle dans lequel nous vivons? Donc regardons un peu la notion de méta-éthique euh, surnaturelle. En fait, euh, c'est ce qu'on appelle une une, une une éthique aristocratique en Grèce, et en fait elle est fondée sur euh, trois choses. C'est que les lois sont des lois hétéronomes. C'est les lois qui proviennent des dieux, les lois de Moïse, les lois etc etc qui nous sont données par les dieux. On a vu le, la stèle avec le dieu qui donnait la, la liste de lois à, à Amourabi. Euh, et puis, alors les lois sont... Alors ça, c'est très important de comprendre qu'à l'origine, dans le cosmos grec, le cosmos est parfait parce qu'il a été créé par les dieux. Donc comme le cosmos est parfait, eh ben, il faut que les humains essayent de refaire ce qu'il y avait à l'origine, parce que l'origine, c'était parfait. Donc c'est ça l'origine de la tradition. Pourquoi est-ce qu'on f... il faut refaire ce qui a été fait précédemment Parce qu'à l'origine c'était nickel, c'était parfait, c'était fait par les dieux. Donc, eh ben, euh, si mon papa il est euh, bouché, ben, il faut que moi, moi même je sois bouché pour remplacer mon papa et je suis pas censé faire autre chose. Sinon, c'est ce qu'on appelle l'éducation et euh, c'est l'étymologie ex ducere. Je vous laisse regarder ça. De quoi il s'agit C'est c'est très subversif l'éducation. Bref. Donc. L'éthique est ici, et en fait elle est hiérarchique, les fermiers ne peuvent pas devenir des, euh, des seigneurs, euh, et le fils du seigneur sera forcément le seigneur, parce qu'on refait ce qui s'est passé précédemment. Euh, de manière intéressante, lorsqu'il y a des pièces du puzzle du cosmos parfaitement ajustées qui sortent de l'ajustement, quand on a un, un humain qui vole, qui tue, etc., des animaux qui volent, ils sortent de l'ajustement. Donc où est-ce qu'on les amène ah ben On les amène devant la justice. Et l'objet de la justice, c'est de réajuster les gens au cosmos. C'est ça l'étymologie. Il y a une pièce du puzzle qui est partie, on la ramène. La justice, on vous réajuste. OK. Euh, donc ça, et ça fonctionne aussi avec des animaux. Il y a eu des, des célèbres procès d'animaux dans le passé. Donc ça, c'était la première euh, éthique. Et puis la première éthique s'est faite euh, sur une nouvelle éthique s'est rajoutée. À partir du moment où on a développé un peu la science, et la science s'est développée notamment avec Newton. Et Newton, il a fait un truc super bizarre, c'est qu'il a créé une loi. Alors, c'est normalement les lois, c'est les dieux qui créent les lois. Mais en fait, les lois des dieux, euh, on se rend compte qu'elles sont spécifiques à un groupe d'humains. C'est-à-dire qu'en fait, l'éthique en France va être différente de l'éthique en Angleterre, qui va être différente de l'éthique en Afrique, l'éthique en Chine, l'éthique machin. Les, la, les lois auxquelles on va, euh, qui nous vont nous permettre d'interagir euh, hein, de manière euh, en, euh, sans, sans conflit, ça va pas être les mêmes suivant l'endroit où on se trouve. Donc, c'est des, éthi, des éthiques locales, localisées. Mais quand c'est la science, à Newton, ça fonctionne partout. Si c'est un, un Africain qui vous jette un, un caillou, bah, la trajectoire va être parabolique. Si c'est un, un Chinois, si c'est un chimpanzé qui vous jette un caillou, bah, le caillou il va avoir la même trajectoire. Donc là, ce sont des lois qui sont maintenant universelles. Et en fait, c'est ça qui est aussi qui va définir la science. La science, c'est que les lois scientifiques fonctionnent partout, ne sont pas spécifiques à un groupe d'humains, ne sont pas spécifiques à une localisation. Ok. Euh... Donc, ils se sont dit, ah bah tiens, c'est bizarre, les lois faites par les humains, déjà on est capable d'en faire, et ensuite elles sont meilleures que les, que les lois traditionnelles, que les lois des dieux. Donc, en fait, ce qui s'est ce passé, c'est que ce truc-là a cassé la notion de loi divine, qui était forcément au-dessus de tout, parce que nous on est capable d'en faire qui soit meilleur. Euh, et deuxièmement, alors, ça a cassé aussi euh, la tradition. Euh, pour pour une autre raison qui est liée au christianisme et qui est liée à la parabole des talents euh, mais je vois le temps qui passe et on n'aura pas le temps d'en parler ici donc voilà donc en fait ce qui s'est passé c'est que la, la deuxième éthique qui est l'éthique républicaine eh bien elle a elle a supprimé la notion de dieu qui n'était plus là pour fabriquer les lois donc on n'est plus hétéronome, on devient autonome. Et ça a cassé la notion de tradition euh, via l'éducation, parce qu'en fait, euh, via l'éducation, alors je vais en parler en deux mots, ex ducere, ex, c'est en dehors d'eux, épiler, c'est sortir les poils, les effeuiller, c'est enlever les feuilles, etc. Donc c'est en dehors d'eux. Et ducere, le duc, doucher la conduite, c'est la, la direction. Et le duc, il est censé vous dire où vous devez aller, ce que vous devez faire. Et éduquer... C'est ex douteré, c'est sortir une personne de la voix de qui, lui, qui était la sienne. Je suis ingénieur, tu seras ingénieur mon fils. Je suis docteur, tu seras mon, docteur mon fils. Et ben, bah, euh, si le fils il est pas bon en maths, bah il va aller à l'école et puis à l'école il pourra, il aura l'opportunité d'être éduqué. <laughs> C'est-à-dire que finalement, peut-être qu'il va faire de la philo, peut-être qu'il va faire de la musique ou il va faire autre chose. Et voilà, il est sorti de sa voie. Donc c'est ça l'éducation. Bon, et, mais en fait, il est resté la notion de Alors, la notion, notion de euh, ça, c'est euh, le fait que, alors, dans toutes ces éthiques-là, les premières et deuxième éthiques, la hiérarchie, c'était d'abord les inanimés, après, il y a les, euh, les animaux non humains, bon, les handicapés, c'est à peu près au même niveau, euh, on ne sait pas trop quoi en faire, euh, Hitler, il est, il est passé au, au four, euh, et puis, après, il y a... Euh, les, les enfants, les femmes, les hommes et Dieu. Donc c'est ça la, la grande hiérarchie de la première éthique. La deuxième éthique on supprime Dieu mais il y a encore toute la hiérarchie, ok. Euh, et ça, c la, la troisième qui est arrivée par la suite, eh bien en fait c'est le respect de l'individu et le respect de la personne. Alors le respect de la personne. C'est arrivé euh, justement, bah, c'est arrivé en France comme très souvent euh, les révolutions. Donc 68, eh bien révolution étudiante contre la hiérarchie euh, totale de, des professeurs, des mandarins à l'université, et ça a une résonance avec les États-Unis parce que les États-Unis ça, ça, euh, ça a été avec la, la, la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam 70, euh, les Américains ont dit mais pourquoi est-ce que moi je devrais aller donner ma vie? Au Vietnam, les gens, je ne les connais pas là-bas, euh, J'ai rien à y faire là-bas. En fait, c'est l'État, la hiérarchie qui me dit, euh, vous allez au Vietnam et vous allez mourir au Vietnam parce que je vous demande d'y aller. Et les Américains, euh, enfin, les gens, ils ont dit, mais pourquoi est-ce que j'irai mourir là-bas Il n'y a, a aucune raison. Donc en fait, la seule raison d'aller mourir au Vietnam, c'était les hiérarchies. Donc c'est ça qui a fait cette révolution euh, qu'il y a eu en, en même temps en France. Et, euh, et aux États-Unis. Et donc, ça s'est vu avec, bien sûr, euh, euh, toutes les choses. Et on se rend compte que toutes les, tout date de, de, des années 68, des années 70, etc. Donc, voilà, aux États-Unis, euh, mon fils a été tué au Vietnam. Pourquoi euh, En bas, à bas le régime gaulliste, le peuple veut le pouvoir, donc arrêt de la hiérarchie. Euh, et puis, euh, voilà, la série Le prisonnier, 1967, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Donc, cette revendication de la liberté et revendication d'exister. Euh, en, tant, en tant que personne indépendante et indépendamment de la hiérarchie. Alors, ce qu'il y a, la, cette troisième éthique, en fait, avant, le, la personne devait le respect et euh, donner sa vie à la hiérarchie et donc aux institutions. Et la, le, ce qui est découlé de ça, ça a été une inversion du truc où maintenant, c'est les institutions qui sont à notre service. Là, récemment, aux États-Unis, il y avait un, une personne qui était euh, en train de se faire arrêter la, par la police, mais injuste, injustement, qui dit à la, aux policiers, mais non, écoutez, c'est vous qui travaillez pour moi, c'est moi qui vous paye, <laughs> c'est moi qui paye la police, vous êtes à mon service. D'accord c'est pas moi qui dois respecter ce que vous demandez, c'est le contraire. Vous voyez, c'est vraiment une inversion de la notion de hiérarchie. Et les... Maintenant, c'est les humains, c'est la hiérarchie, qui... c'est la... les institutions qui sont là pour servir les, les humains qui, comp qui composent la société. Donc, alors, il y avait tout plein de choses à l'époque avec, bien sûr, la cage au folle, village people, etc avec des, euh, des, 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 des paroles Alors, de manière intéressante, I am what I am. Il y a eu deux versions. La première version, Village People 78, Les gens ont le droit d'être juste qui ils sont, les gens ont le droit de partager tout leur amour, les gens ont le droit de partager juste ce qu'ils peuvent donner, le, le, le droit à leur volonté, euh, à leur libérer, à leur volonté libre. Voilà, ils ont le droit de vivre avec qui ils veulent. Hein, 60, 78, ils ont le droit de vivre euh, là où ils veulent de manière euh, heureuse et personne n'a le droit de choisir mon amour pour moi, je suis né libre. Ça dit tout. Et puis après, version Gloria Gaynor, euh, voilà, il me faut une vie complète pour être la, la meilleure personne qu'on peut être, nous n'avons pas le, le, le temps ou le droit de juger de nous juger les uns les autres. Je suis qui je suis ou je suis ce que je suis. Je ne veux pas qu'on me, euh, qu me félicite et je ne veux pas de pitié. Euh, je fais ma propre musique. Pour certains, euh, c'est du bruit, mais moi, je trouve que ma musique, elle me plaît bien, elle est belle. Euh, je suis qui je suis et euh, je n'ai pas besoin d'excuses. Euh, c'est moi qui joue mon propre jeu. Mon propre jeu de cartes, c'est moi qui dis ce que j'en fais. C'est ma vie. Vous voyez que c'est vraiment fondamental de, de, cette, de cette troisième éthique. Alors cette troisième éthique, <coughs> eh bien, en fait, on se rend compte que l'objet de cette troisième éthique, c'est de casser la hiérarchie. Donc casser la hiérarchie, maintenant, eh bien, il faut respecter les gens. Et typiquement, bah, ça passe par le mariage euh, gay, le mariage homosexuel, les endroits où c'est accepté, ça veut dire que, alors dans les endroits hiérarchiques, on dit bah non, la loi c'est un homme marié avec une femme. Mais si, on, si les institutions doivent respecter les gens, bah un homme veut épouser un autre homme, pourquoi pas Respectons leur choix. Alors, ce qui est vu comme étant de la décadence euh, dans les premières et deuxièmes éthiques, et bah en fait, dans la troisième éthique, bah c'est vu comme étant le respect, le respect des gens. Donc, dans les, les premières et deuxièmes éthiques hiérarchiques, on a la notion d'uniforme, okay, qu'on voit ici en Angleterre, euh, dans les... Euh, hein, mais. Et puis bah là, euh, en 2014, l'Europe a élu Conchita Wurst euh, comme étant euh, meilleure chanteuse de l'Eurovision. Donc voilà, vous voyez complètement l'évolution des mœurs. Cette personne-là n'est plus jugée sur son apparence, sur qui elle veut être, mais sur ce qu'elle fait, sur sa chanson, etc. Et c'est comme ça qu'elle a été élue. Euh voilà. Donc, maintenant, regardons ces notions de méta-éthique. Et en fait, il y a un moyen intéressant de les regarder, c'est via le prisme de ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce pourquoi vous êtes prêt à donner votre vie. Euh, et alors, bah, si on regarde l'éthique numéro un, pour qui est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie bah, Typiquement, c'est pour la religion, parce que c'est l'éthique de, de Dieu. Euh, donc, la dévotion, mais aussi donner sa vie. Alors là, il y avait un, 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 un événement qui était en 63, qui a, été, qui a choqué toute l'Amérique. C'était euh, un bouddhiste qui s'est immolé par le feu euh, contre les catholiques romains. Et ce qui était très intéressant, c'est le commentaire qui a été fait par les bouddhistes de ce truc-là. Ce n'était pas un suicide. C'était un acte dévotionnel de pratique incarnée. Alors, je c'était le mot qui a été utilisé, hein. a Devotional Act of Embodied Practice. Ce n'est pas un suicide. Il a donné sa vie pour son groupe, pour son Dieu, pour... Enfin, alors il n'y a pas de Dieu en plus, un hein. bouddhiste, il n'y a pas de Dieu. <laughs> Donc vous voyez bien que c'est vraiment une notion de religion sans Dieu. Donc c'est très intéressant de, de, de voir ce qui a été là. Et là, on est complètement dans la première éthique. Alors la deuxième éthique, c'est quoi Eh bien, c'est le respect de la hiérarchie. Vous êtes capable de donner votre vie pour le Vietnam, pour, etc. Pour, pour vous dire à quel point ça a évolué, je pense que, euh, attention, là, 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 il va y avoir un grand éclat de rire dans la salle. Dans la salle, combien de personnes sont prêtes à donner leur vie pour Emmanuel Macron Peu peu de personnes sont prêtes à donner leur vie pour Emmanuel Macron. Et ben, de manière très intéressante, ça, c'est ce qu'on appelle l'éthique républicaine, la République, Respublica, la chose publique, qui doit être au-dessus de, des personnes. Eh bien, quand la chose publique doit être au-dessus des, des personnes, ça nous a donné, il y a deux semaines, un euh, euh, Donald Trump, qui, lors des élections, je crois que c'était en Iowa, où il a fait un, un temps absolument épouvantable, avec moins 30, moins 40 degrés. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit euh, il a dit à ses supporters que ça vaut le coup d'aller voter pour lui dans le froid, même s'ils sont malades comme des chiens et même s'ils meurent après avoir euh, mis leur, leur, leur bulletin de vote. C'est la définition, mourir pour son chef. C'est la définition de l'éthique numéro deux républicaine. C'est ça la République. Respublica, c'est plus important. Votre vie est au service de votre institution, votre vie est au service du groupe. Même si vous votez après, même si vous mourrez après, c'est important de voter pour moi qui suis bien sûr votre chef. D'accord Ça, c'est la République. Exactement ça. Alors, du coup, bah, la troisième éthique, pour qui est-ce que vous êtes capable de donner votre vie Est-ce que, est que les humains en France sont capables de donner leur vie pour quelque chose Pourquoi Etc. Est-ce qu'on fait un sondage Que quelqu'un est capable de donner, de donner sa vie pour, pour quoi On prend une personne. Hein pour l'autre, pourquoi, pour, pour ses enfants, pour sa famille, etc. Donc, vous voyez qu'on n'est plus prêt maintenant. On ne va plus donner notre vie en France pour Dieu. On ne va plus donner notre vie pour Macron ou pour les institutions, parce que votre chef a dit "Va mourir là-bas, on n'y va pas. Non, c'est fini ça. Mais par contre, bah voilà. Alors du coup, j'ai euh, ça, c'était un, euh, un, un papier hugo euh, Magazine, etc. Mother's love and sacrifice for her child is supreme." l'amour la, de la mère et son sacrifice pour son enfant est suprême et ça c'était la c'était la photo qui allait avec. Donc là, on est complètement dans la troisième éthique, on respecte les individus et on respecte plus du tout l'institution. Enfin, c'est l'inverse, l'institution maintenant est au service des individus. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le 21e siècle Parce que là, pour l'instant, c'est les trois éthiques. Alors, qui, attention, elles existent toujours. Il y a toujours des gens qui croient en Dieu actuellement en France. Il y a toujours des gens qui, qui croient dans une institution et dans un chef euh, euh, suprême euh, et que c'est important. Et puis, il y, a, il y a des gens qui croient, euh, enfin, les trois éthiques cohabitent. C'est des éthiques qui, qui s'ajoutent les unes les autres. Hum. Alors bah maintenant, je vous ferai remarquer qu'il y a des ordinateurs qui sont partout, qui sont interconnectés. Il y a des informations numériques qui sont associées à pratiquement tout le monde. Il y a des réseaux sociaux qui sont présents partout. Euh, alors maintenant, l'éthique que je vais proposer, donc là maintenant on va arriver dans mon travail de recherche, c'est est-ce euh, qu'on a une nouvelle éthique qui serait l'éthique de la délocalisation Alors c'est très intéressant la notion d'adresse. Euh, c'est la suivante c'est que, alors maintenant vous êtes d'accord qu'on est tous, hein, on a tous un, un smartphone attaché à nous euh, donc nous sommes augmentés de cette manière là les, les constellations satellites font que partout où on est dans le monde on est localisé, on a accès à internet on a accès, voilà, quand il y a un trou euh, euh, on n'est vraiment pas content euh, quand on prend le train et qu'on arrive euh, euh, à choler des fois les endroits qui ne sont, euh, sont pas bien pavés d'un point de vue internet on est là à pester voilà euh, tous les objets sont communicants, interagissent, les données sont toutes collectées par les sociétés c'est ce qu'on appelle the Internet of Things, l'internet des choses. Euh, et donc ben en fait, la notion de nouvelle éthique pour moi, elle est délocalisée. Délocalisées dans le sens où les trois premières éthiques, donc euh, l'éthique de, des dieux, euh, aristocratique, euh, l'éthique républicaine et l'éthique démocratique, en fait, elles sont localisées dans le sens où les lois en France ne sont pas les mêmes que les lois en Angleterre, que ne sont pas les mêmes que les lois en, en Allemagne. Les lois en France ne sont pas les mêmes que les lois en Alsace. Je vis en Alsace, euh, enfin je vivais, enfin, je viens la semaine prochaine jusqu'à. Voilà. Euh, euh, et en Alsace, il n'y a pas de loi 1905. Parce que la loi en Alsace, en 1905, l'Alsace était allemande, donc ce n'est pas passé. Donc en Alsace, il y a une loi d'association, qui est une loi 1906. Les associations ont le droit de faire des bénéfices. Euh, à qui ça Je sais pas qui. Ça peut intéresser les gens, mais en fait, euh, vous aurez le droit de faire des bénéfices si vous, si, vous, si vous fondez une association en Alsace, mais pas en France. Euh, et les lois ne sont pas les mêmes. Okay mais les lois sont donc attachées à un endroit. Eh bien, en fait, cette notion, c'est la notion d'adresse qui comporte trois choses. C'est ad directus. Okay Alors, premièrement, quand je vous dis euh, ⁇ J'habite à Strasbourg bah, ⁇ vous, vous savez où je suis, grosso modo, dans l'Est de la France, au nord d'ici, vous êtes capable de me localiser, c'est la localisation géographique. Après, dans directus, il y a la notion de ⁇ Rectus, c'est le droit ⁇ Vous savez à quel droit je vais répondre. Si vous faites affaire avec moi, attention, euh, il est alsacien euh, et donc ce euh, c'est pas les mêmes lois en Alsace qu'en France. Donc quand je vais faire des affaires, faut savoir à qui, à qui on a affaire. parce que je, moi, je ne peux pas sortir de mon droit alsacien. Alors bon, il euh, y a le Concordat, il y a des trucs comme ça. C'est pas la même chose. Donc quand on fait des affaires entre eux, faut connaître la loi de l'autre. Et la dernière chose que porte une adresse, eh bien, c'est rex, directus. Rectus vient de rex, qui est le loi. Le roi, ça donne votre environnement politique. Est-ce que vous êtes dans un royaume Est-ce que vous êtes dans une démocratie, dans une dictature, dans une autocratie, dans une... etc., tout ce que vous voulez. Donc, ça dit quel est votre, le, votre environnement politique. C est, c est, ça, c'est les trois choses qui sont liées à une adresse. Bah, maintenant, euh, euh, mon adresse à moi, c'est pierrecollet.gmail.com Bon, pierrecollet.gmail.com. J'habite où C'est quoi les lois que je dois suivre Et euh, c'est quoi mon régime politique c'est ce qu'une démocratie machin, monarchie, euh, monarchie constitutionnelle, enfin tout ce que je veux. je ne veux puis rien de ça. Donc en fait, maintenant on arrive dans une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle ère où en fait, quand il y a plus d'adresse, eh bien, on se retrouve à l'époque du Moyen-Âge et à l'époque du Moyen-Âge, il y avait des villes et dans ces villes, donc tout ça, je vous reprends ça de Michel Serres qui avait tout, tout compris, plein de choses. Donc en fait, dans les villes, il y avait le, le pouce, c'était le pouce du seigneur de la ville, le pied, c'était le pied du seigneur de la ville. Quand vous changez de ville, les marchands, ben, ils s'adaptaient aux, nou aux nouvelles longueurs, aux nouvelles dimensions et tout. Donc il y avait la loi du seigneur local de la ville, les, les, enfin tout, tout était géré par le seigneur local. Et entre deux villes, eh ben, que faisaient les bourgeois ben, Ils couraient très vite parce qu'ils étaient dans la forêt. Et dans la forêt, c'est la loi de qui il euh, n'y ben, a pas de loi, mais en fait ce n'est pas vrai parce que des, des zones de non-loi et de non-droit eh ben, émergent de nouvelles lois. Et donc, qui y avait dans la forêt en Angleterre, dans la forêt de Sherwood, il y avait un mec qui s'appelait Robin Hood, Robin des Bois. Et alors, et qui c'est Robin des Bois C'est bizarre parce qu'à cette époque-là, euh, qui sont les humains et les hommes qui portent des robes Normalement les robes, c'est les femmes. Mais en fait, Robin, tiens, robe, il avait une robin, robin, il avait une robe. Qui sont les gens qui ont des robes Ah, bah tiens, les gens qui ont des robes, c'est des magistrats, c'est des juges, etc. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans ma forêt à Sherwood, bah, vous suivez ma loi de Robin. C'est moi qui ai la robe et c'est moi qui dis, c'est les, les riches qui donnent aux pauvres, etc. Et donc il a défini ses propres, ses propres lois. Alors c'était marrant parce que, euh, euh, en fait, euh, l'usurpateur, c'était Jean Santerre. Donc c'est Jean Santerre qui n'avait pas de terre. Enfin bref, c'était assez marrant aussi. Hum. Mais. Alors, en anglais, c'est intéressant parce qu'il s'appelle Robin Hood. Et le hood, c'est quoi C'est la capuche. Tiens, en France, on a des, un ordre, c'est l'ordre des Capucins. C'est quoi les Capucins, le capus, etc. Tiens, c'est ce qu'il y a au-dessus de la tête. Et qui sait qui ont une capuche Bah, tiens, c'est des religieux. Et les religieux, bah, c'est eux qui disent. L'éthique se disent comment on doit se comporter les uns avec les autres et donc Robin Hood ça veut dire que quand on est dans la forêt de Sherwood eh ben on doit suivre les lois de Robin et puis on doit et puis on doit euh, 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 se comporter euh, de manière religieuse à la manière dont les dont Robin dit qu'on doit se comporter c'est ça c'est l'éthique de Robin qui fonctionne eh bien euh, on se rend compte que donc des entités des nouvelles lois etc émergent des zones de non droit émergent de la forêt eh bien, qu'est-ce qu'il y a qui émerge de la forêt en ce moment bah, Actuellement, on a des entités qui sont non localisées, qui s'appellent Google, Amazon, Uber, Airbnb, Instagram, Meta, etc. Euh, et et qu'est-ce qui émerge La première chose qui doit émerger quand on a des nouvelles entités qui doivent interagir, échanger, et tout, et tout, ah bah, c'est des nouvelles valeurs. Des nouvelles valeurs, bah, ça s'appelle les blockchains. Euh, et les blockchains, ça permet de faire quoi Tiens, ça permet de faire de l'argent. Euh, Bitcoin quel est l'état Bitcoin dépend de quel état Est-ce que Bitcoin, c'est américain Est-ce que c'est euh, africain Est-ce que c'est chinois Est-ce que c'est japonais Non, Bitcoin, Bitcoin est hors sol. Ça n'existe de nulle part. Mais c'est une monnaie d'échange. Il y euh, a mieux que ça, il y a le Dogecoin, etc. Euh, donc on voit qu'il y a des monnaies qui émergent. Euh, des, de l'art non fongible euh, le Nyan Cat qui est ici hein, je, hein, euh, les pixels qui sont là cette superbe création cette œuvre d'art a été vendue 580 000 dollars à quelqu'un qui a acheté ça, 580 000 dollars c'est un NFT, c'est un, un des premiers et donc, on se rend compte que finalement, on arrive dans une méta-éthique qui est l'éthique de la globalisation, de la, moi j'appelle ça de la dislocation. <laughs> parce que, ben voilà, il on n'y on, a plus de localisation, on n'est plus attaché à un endroit. Alors, c'est là où, je ne sais pas s'il y a des notaires dans la salle, les notaires sont super importants, parce que les notaires sont ceux qui sont capables de prendre ces entités de les enraciner à l'endroit. Euh, où l'étude le, le, de notaire se trouve, à faire que euh, l'entreprise le, 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 qui, est, qui est ralliée va, va s'enraciner à un endroit où il y a des règles qui existent, d'accord Mais sans ça, l'entité le, le, est hors sol et elle ne répond absolument à aucune loi. Alors la preuve c'est que en le 22 janvier 2024, donc c'est pour ça que je mets à jour mes transparents. Le 22 janvier, c'était il, il y a peu de temps. Euh, le gouvernement de la Flandre essaye de forcer TikTok et YouTube à partager leurs revenus. Parce que TikTok, pourquoi est-ce que TikTok paierait des, des, des impôts en France Ben non, TikTok, nous, on est désolé, on n'est pas français, euh, ben on n'est pas belge, on n'est pas machin, il euh, n'y a pas de raison qu'on paye, qu paye des impôts chez vous. Et puis c'est pareil pour Uber, c'est pareil pour tous ces trucs-là, ils ne sont pas localisés. N'ayant pas localisé, ils ne suivent pas... Quelle loi vous suivez Bah, oh, ben, pas les lois françaises de toute façon, il n'y a pas de raison, je ne suis pas français. Quelle, euh, vous payez des impôts à qui bah, Pas en France non plus. Donc, vous voyez que c'est vraiment une notion de, de nouvelles euh, entités qui vont interagir sans localisation. Donc, ça, pour moi, c'est un nouveau truc qui, qui, qui n'existait pas avant. Et à tel point que, alors ça, c'est un petit peu plus vieux, euh, donc, euh, 2022, 4 février 2022, Carrefour a acheté 36 hectares de, de je ne sais pas quoi, euh, dans Sandbao, euh, Sandbao, c'est un, un espace virtuel et ils ont payé les 36 hectares 300 000 euros. Et ensuite, ils s'en sont servis. Euh, en mai 2022, eh ben, ils ont fait leur première session de recrutement dans le métavers. Donc, c'était ici. Donc, il euh, y a des gens qui ont fait des interviews, etc., dans le méta. Donc, dans... Et chacun était chez soi, devant son ordi, voire avec un casque virtuel. Il y avait des intervieweurs qui étaient avec un casque virtuel chez, euh, chez Carrefour, ou peut-être pas. Peut-être qu'ils étaient en, en Inde, ou peut-être qu'ils étaient ailleurs, parce que ça coûte moins cher. Et donc, il y a eu des recrutements qui se sont faits de manière complètement virtuelle, dans un espace virtuel. Mais par contre, ils ont quand même payé euh, 300 000 balles pour avoir 36 hectares dans ce, dans ce monde complètement virtuel. Euh, en 2022, il y a, eu le, il y a le premier métavers, le collège métavers en France, donc c'est un master. Donc il y a des, des licences et trois euh, masters. Il y a un master en finance, crypto-monnaie, euh, crypto blockchain et méta-état. Le deuxième master, c'est en art non fongible, etc., con conception d'art digital. Et le troisième, c'était en développement de données, de conception de monde virtuel, euh, gestion de ces trucs-là. Donc vous voyez que ça commence à devenir sacrément de plus en plus réel, des choses qui sont complètement virtuelles. Et donc, euh, je vous présente un, un humain augmenté, ça c'est les lunettes de, de Apple qui sont sorties il y a trois jours, quelque chose comme ça, donc qui vous permettent d'être, de vivre dans votre, monde, dans votre monde virtuel, avec des problèmes de... Il y a des gens qui conduisent des Tesla, qui se conduisent... En, et pendant que les gens sont... Dans la Tesla qui conduit toute seule, ils ont leur casque de réalité virtuelle, ils ont leur casque de, de méta. Et ça, si vous regardez sur les infos, c'est hier, hein, c'est absolument en ce moment, les États se demandent, est-ce qu'on peut conduire des Tesla en ayant ce masque sur la figure C'est ça la question qui est posée, et qui est une vraie question. Hum. Donc, bah, euh, pour moi, c'est une, une nouvelle éthique, c'est une nouvelle manière, c'est la dislocation. Euh, on vit pour, quoi une, pour On vit pour une deuxième vie virtuelle en espérant qu'elle sera meilleure que la première Est-ce que c'est la légocratie Pas, pas d'intérêt contre d'autres humains euh, C'est des, des vraies questions pour moi. Alors maintenant, euh, maintenant on a parlé de l'IA. Est-ce que l'IA modifie l'interaction entre les êtres humains Et est-ce que l'IA pourrait amener à une éthique version 5, euh, que j'ai appelée A6 D'accord <laughs> En anglais, ça passe bien. C'est pas SX, c'est ethics. Alors, euh, jusqu'à jusqu l'IA, en fait, l'éthique, c'était la manière dont les humains interagissaient entre eux. Un humain et un autre humain. Et bien, ça serait, en fait, comment deux humains interagissent par l'intermédiaire d'une IA. Est-ce que ça existe déjà, ça ben, Écoutez, de la, si vous allez faire un prêt à votre banque. Euh, c'est pas en fait ça je vais vous donner un secret c'est pas votre banquier qui va vous accorder le prêt ou pas c'est qu'en fait le banquier il vous dit ah oui euh, monsieur Collet c'est un très bon client etc on vous accorde le prêt mais en fait c'est l'ordinateur qui a dit avant et eh bah ben oui il a toujours payé ses factures euh, il a une grosse voiture parce que à chaque fois qu'il va prendre de l'essence euh, il en a pour 100 balles et les, votre banquier sait qu'à chaque fois que vous allez chez Carrefour pour les factures d'essence, il regarde le prix que vous mettez. Et donc si vous mettez de l'essence 20 euros par 20 euros, ça c'est un mec qui est bizarre, il n'a pas beaucoup de fric, il met de l'essence quand il peut, euh, et tout ça, ça, ça rajoute des indicateurs qui sont dans l'IA qui disent ça c'est un mec bizarre. Il met de l'essence 20 euros par 20 euros, 10 euros par 10 euros, c'est pas normal. Donc, en fait, il y a plein d'indicateurs comme ça dans la science des données qui servent à savoir si vous êtes bankable ou pas. Mais c'est pareil dans les assurances. Les assurances, est-ce qu'on va vous assurer ou pas? Bah, euh, ah oui, mais vous avez eu le cancer. Euh, bah oui, mais il est fini, mon cancer. Ah, bah d'accord, mais vous avez quand même eu le cancer. Euh, <laughs> Et puis, bien entendu, ça, vous le savez. Et ça, maintenant, ce sont toutes des IA, mais ça, ça fait 20 ans que ça existe. Ça fait 20 ans que c'est l'IA qui décide. Pour vous, de ce que vous allez pouvoir faire ou de ce que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc là, on est vraiment dans la notion où en fait, c'est un humain qui vous dit si oui ou non, vous pouvez avoir votre prêt ou vous pouvez avoir votre assurance, mais en fait, entre deux, c'est l'IA qui décide. OK Bon, avec des, des, des excès euh, euh, pour nous qui sont en Chine avec euh, euh, des pénalités euh, suivantes. Et maintenant, bah, est-ce que du coup, nous devons changer notre comportement en tant qu'être humain en sachant qu'on va se faire évaluer par une IA. Donc actuellement, vient de sortir euh, donc le, euh, le 19 décembre 2023, euh, eh bien une information. Maintenant, quand vous verrez une voiture, alors euh, je crois qu'il y avait déjà le truc pour, il euh, y avait une Renault qui avait des feux bleus pour montrer qu'elle était électrique, là maintenant ça va être différent. Maintenant, quand une voiture a un feu bleu qui est allumé, ça veut dire qu'elle est conduite de manière autonome. C'est pour prévenir les autres humains. Que, attention, cette voiture-là est conduite de manière autonome, elle est conduite par une machine, elle n'est plus conduite par un être humain. Donc, ça, ça va vous prévenir. Comment est-ce que vous allez vous comporter Est-ce qu'il va falloir que vous soyez un peu à distance de cette bagnole-là, Parce que, etc. Est-ce que vous allez avoir confiance en elle Enfin, vous voyez qu'on on on va, on va apprendre à interagir avec des machines. Là, quand c'est allumé bleu, c'est une machine qui est au volant. Il euh, y a un. En mai de, en, le 27 mai 2022, il y a une étudiante qui a été accusée de, de, euh, de triche par un algorithme, parce que, en fait elle faisait une composition devant son ordinateur, le, dans le, le centre d'examen imposait que la caméra de l'ordinateur soit sur elle, et la fille, ben, en fait, elle, elle regardait trop euh, devant l'ordinateur, et l'ordinateur a dit cette personne-là est là une, elle a une anti-sèche, elle a je sais pas quoi, et en fait elle est en train de copier sur un texte qu'elle avait sur les genoux, je sais pas quoi, donc l'ordinateur a dit cette personne la triche. Et donc là, c'est l'ordinateur qui a accusé l'étudiante de <coughs> tricher, elle avait 17 ans, voilà, et euh, est-ce que le fait, donc la question qui a été posée, est-ce que le fait de regarder ailleurs que, de, que sur son écran euh, signifiait qu'elle qu euh, qu trichait, et donc elle a été trichée, elle a eu zéro, parce qu'elle a été accusée. Injustement ou justement, on ne pas. Par l'IA d'avoir triché, c'est l'IA qui a décidé. Euh, de manière intéressante aussi, donc je vous ramène plein de choses. Euh, mai 2022, euh, il y a maintenant, quand vous envoyez un CV à une grosse boîte, c'est pas des humains qui lisent le CV. Votre CV, il est interprété par une IA. Donc, arrive à des nouvelles directives sur comment faire des CV de manière à vous faire sélectionner pour une interview. Euh, donc, euh, Hilke euh, Shellman, d'accord, euh, qui est, euh, euh, voilà, il est, il est chef d'une boîte euh, qui recrute euh, en utilisant des robots euh, qui sélectionnent les applications. Hein, Artificial Intelligence, Job Application Screen, Robot Recruiters. Donc, ce sont des, des recruteurs robots, maintenant, qui étudient votre machin. Donc, voilà les, les, les directives qui donnent aux étudiants. Donc, plutôt que de faire un CV qui sorte de l'ordinaire, mon truc ne marche plus voilà eh bien faites un cv résumé en anglais c’est un cv faites un CV, qui, un cv qui soit lisible par une machine ne mettez pas d'images. Ne mettez pas de caractères spéciaux comme des et, euh, vous savez, les et, euh, euh, ou alors des tildes. Utilisez le, le template, la, le, la forme de CV la plus commune. Utilisez des, des phrases petites, euh, précises, déclaratives et quantitatives. Voilà, c'est Jan Siegel, CEO. Donc, c'est le, le directeur de la plateforme de job Zip Recruiter. Voilà, donnez les licences. Donc, maintenant, tiens, c'est aux humains de s'adapter à l'IA. Si vous voulez être recruté, Rendez-vous lisible par une IA, faites ce qu'il faut de manière à ce que l'IA vous recrute. C'est l'IA qui vous recrute maintenant. Donc vous voyez qu'on est en train de changer, là maintenant, l'éthique c'était humain-humain, là maintenant, il faut tenir compte de, de ces trucs-là. Euh, un truc très récent, 4 janvier euh, 2024, euh, et bien maintenant dans la loi californienne, ils seront, il y a maintenant des voitures qui sont autonomes, et la voiture elle se, par, elle se garde n'importe comment, comment. Qui doit avoir le. le, le le PV. Il y, a une, il, y a une, il y a une loi, il y a une voiture qui est autonome et qui dépasse une limite de vitesse qui a le PV. Et bien, dans l'état actuel, en Californie, les PV ne peuvent être donnés seulement s'il y a un vrai conducteur qui est dans la voiture. si la voiture n'a pas de conducteur, le puisque même en France, si vous faites un excès de vitesse, et eh bien, vous pouvez dire que c'est votre grand-mère qui a 90 ans qui a fait son excès de vitesse, bien sûr, c'est ce que fait... Hein Mais vous êtes bien d'accord que c'est la personne qui conduit qui doit être pénalisée, c'est pas la voiture. Et donc, si c'est personne qui conduit, ben, on, les points en moins, on les donne à qui ben, On va pas les donner à la voiture, parce que la voiture n'a pas le permis. Enfin, c'est un, un vrai problème. D'accord Donc, et C'est un problème actuel, hein, 24 janvier, il y a une bagnole qui a fait un excès de vitesse, qui s'est mal garée, etc., euh, à qui on enlève les points. Le fabricant, oui, il s'en fout, le fabricant, il n'a pas les points. Mais oui, mais c'est. Voilà, mais ce pas le cas. Donc ils sont en train de se poser des questions. Maintenant, il y a des choses qui sont encore plus surprenantes qui apparaissent. Il y a du cyber kidnapping. Alors le cyber kidnapping, vous pouvez aller le voir, tout ça c'est 2 hein, janvier 2024. Donc en fait, c'est un chinois en, aux états unis qui s'est auto-kidnappé. <laughs> oui, attention, ça va devenir de plus en plus surréaliste hein, comme, comme truc. Alors en fait, c'est qu'il il, il a été vu avec un équipement de camping. Et donc, ayant été vu par un équipement de camping, eh bien, il y a des gens euh, mal intentionnés qui ont imité sa voix et qui ont dit à ses parents euh, « Je suis en danger euh, dans tel endroit, etc. etc. » Et en fait, « J'ai été kidnappé ». Et il faut il faut me donner 80 000 dollars pour pour que je sois libéré de l'endroit où on me retient prisonnier. Et à l'étudiant chinois, ils l'ont forcé à à se déclarer comme kidnappé, sans quoi eh ben, ils auraient des, des un impact sur sa famille qui est en Chine, etc., etc. Donc ils ont pris les deux. Lui, ils il l'ont forcé à se déclarer comme kidnappé. Il a pris une vidéo expliquant qu'il était kidnappé, ce qui n'était pas du tout le cas, mais c'était pour sauver sa famille qui était en Chine. Et du côté de la. Enfin, voilà. Et, et donc, l'idée, c'est que euh, euh, l et ça a été fait par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour euh, se faire passer pour la voix de personnes que vous aimez et les convaincre de vous, de vous payer une rançon. Parce qu'en fait, la, le, le chinois, il, avait, il, il, il y a eu des vidéos qu'il n'a pas dites, et en fait, la vidéo existe quand même. Donc, en fait, il a réussi à convaincre ses parents qu'il était. Qu enfin, c'est un truc qui est complètement surréaliste. Donc, euh, cyber kidnapping, ça existe. Et les deux, les deux se font avoir, les deux côtés se font avoir par, euh, par, la, par, des, par des IA. Il euh, <coughs> y a eu un viol dans le métavers. Vous savez, le métaverse, ce truc euh, complètement euh, qui n'existe plus. Euh, donc, ça encore une fois, 2 janvier, BBC News. Euh, la police est en train d'essayer de, de comprendre ce que c'est qu'un un, un, un assaut virtuel euh, sexuel sur l'avatar d'une fille. Euh, alors, l'incident s'est produit dans un jeu de réalité virtuelle. L'impact de l'attaque sur l'avatar de cette jeune fille a été Augmenter à cause de la nature immersive de l'expérience de réalité virtuelle. Donc, en se souvenant de l'expérience, Mademoiselle Patel a dit qu'elle a été entourée par trois ou quatre avatars mâles, enfin, qu'est-ce que je veux dire, masculins. Voilà, avec des avatars représentés masculins qui ont commencé à la sexuellement et euh, d'un point de vue verbal, et ensuite de, de, voilà, de commencer à la toucher, etc., et à toucher son avatar. Donc ça, c'est l'endroit où on arrive. Et puis plus récemment, vous avez peut-être entendu parler de Taylor Swift, donc qui a été avec des vidéos complètement fake de elle se masturbant sur internet, ce qui est complètement faux. Mais donc il y a eu des vidéos qui ont été complètement recréées par par IA. Euh, tiens, vous vous rappelez de celle-là Donc, eh ben maintenant, je vous annonce qu'il y a des influenceurs qui sont des IA. Donc je vous représente l'île Michaela. Euh, elle a des millions de suiveurs, donc elle gagne énormément d'argent, plus que vous, moi et n'importe qui dans cette salle. Enfin, c'est pas elle qui gagne de l'argent. Qui c'est qui gagne l'argent Ce sont les personnes qui la fabriquent. Il y a deux ingénieurs qui ont fabriqué l'île Michela et. Lille Miquela a tellement de succès dans ses chansons parce que vous avez vu qu'elles sont bien les chansons, etc. Bah eh ben, maintenant à chaque fois qu'elle change de soutien-gorge, toute la, la boîte qui a fait le soutien, le faux, le, enfin, le soutien gorge virtuel, mais d'une marque réelle, hein, vend dix, dix fois plus de soutien-gorge, etc. Euh, et euh, alors maintenant ça, ça pose pour moi des vrais problèmes parce que en fait Lille Miquela par son existence complètement virtuelle, et eh ben, elle finance. Ces ingénieurs qui la fabriquent, qui achètent les meilleurs ordinateurs possibles, parce que euh, c'est via ces contrats qu'ils se payent. Donc, si vous gagnez, euh, je sais pas, moi, 100 000 dollars par mois, vous n'avez pas envie de l'arrêter, euh, l'île Michaela, parce que c'est votre revenu. Et puis c'est ce qui fait que vous êtes euh, que vous roulez en grosse voiture et que vous êtes super heureux. Donc, en fait, qui c'est l'île Michaela Eh ben, elle, elle tient, elle a des employés. C'est les employés qui l'a créé. Elle n'existe pas. Hein, elle est complète. C'est rien du tout. C'est un avatar. C'est des pixels. C'est des pixels qui sont créés par des ingénieurs qui finalement bah, sont ses employés parce que c'est elle qui les rémunère. Et en même temps, elle a des millions de followers, il y a des millions de personnes qui la suivent et à chaque fois qu'elle fait un truc, virtuellement, il y, y a des millions de personnes qui font la même chose. Donc la question, qui contrôle qui euh, Est-ce que c'est vraiment les, les ingénieurs qui la contrôlent parce qu'en fait, c'est quand même elle qui la, qui la paye, donc c'est elle qui les contrôle. Et les ingénieurs ne vont pas l'arrêter. Et puis, en même temps, elle influence des millions de personnes. Donc, euh, est-ce que ça a besoin d'être une IA forte oh, Est-ce que l'IA forte arrive un jour Est-ce que l'IA va être plus forte que les humains Mais En fait, c'est nous qui nous créons notre propre IA. Là, c'est des humains d'un côté, on a des humains de l'autre, et tous, de manière très heureuse, nous nous créons une personne qui nous contrôle, qui n'existe pas. Nous nous créons une... Un avatar, un truc, il n'y a pas besoin de conscience. L'île Miquela, elle n'est pas consciente, elle est consciente de rien du tout, c'est une image. C'est un truc qui, qui, qui est complètement virtuel, mais qui est créé par des humains. Donc en fait, on se rend compte que ce qui est le, le plus gros problème dans l'IA, c'est les humains. C'est nous qui nous créons notre propre, <laughs> notre propre chose qui va nous contrôler. Et on est très heureux de le faire, hein, l'île Miquela. Bon, mais ça c'était en 2016. En 2016, c'était quand même, il y a combien, 6, et 7, 13, 7 ans. Et depuis 7 ans, les choses ont évolué. <coughs> Donc bon, euh, alors après, est-ce qu'on vit pourquoi? Euh, euh, alors après, bah on se rend compte que les gens sont capables de, de mourir pour des causes maintenant. Donc là il y a eu un, encore un bouddhiste qui s'est euh, avec une, une, une auto immolation, mais pour là, pour un pour le climat. Donc là, il y a un champion de kickboxing qui a eu un petit virus, c'était le Covid-19. Il se dit, ben non, je ne vais pas me vacciner pour un petit virus comme ça. Le mec, il ne croit pas dans le, le Covid-19, ben, finalement, il est passé. Euh, donc cette personne-là est morte du fait de ne pas avoir cru que c'était... Enfin, avoir pensé que le Covid était une histoire pour faire de l'argent, pour je ne sais pas quoi. Donc il n'a pas voulu croire à ça. Donc il est passé. Donc on se rend compte que maintenant, ben, on peut donner sa vie à des causes des choses qui sont virtuelles et des choses qui sont délocalisées. Euh, le climat, il y a des, des activistes qui sont un peu partout et vous pouvez donner votre vie pour ça. Alors maintenant, on arrive à la fin de la conférence parce que là, maintenant, on arrive avec euh, l'IA générative. L'IA générative, ça date d'un an environ. Hein le, tout ce qui est euh, le, le chat GPT, les, les modèles à large, à large language module, etc. Et là, je reviens sur l'évangile de Saint Jean. Qui commence en grec, parce qu'il a été écrit en grec, mais je vais vous le faire en latin et puis éventuellement en anglais, voire en français. Donc, les trois premières euh, phrases, les trois premiers verses, vers de l'évangile 1, hein, c'est Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, si on veut savoir ce que c'est que Dieu, ben, c'est simple, regardez Saint Jean. Et Saint Jean, il vous dit ben, En fait, Dieu, c'est le Verbe, le Verbe était Dieu, et au départ était le Verbe. Alors c'est intéressant parce qu'on peut imaginer que finalement, tout comme les humains se créent leurs influenceurs IA, alors qu'ils n'existent pas, les influenceurs IA, et eh ben, quelque part on peut voir le fait que c'est en priant qu'on crée Dieu. C'est le verbe, c'est les mots qui créent Dieu parce que Dieu c'est le verbe. C'est écrit là euh, noir sur blanc, euh, voilà par, euh, enfin, voilà euh, noir sur marron. Euh, euh, <laughs> c'est l'évangile de saint Jean. Le verbe c'est Dieu. Dieu, c'est le Verbe, c'est exactement pareil. Or, je vous ferai remarquer que depuis un certain temps, il y a des trucs comme ça qui existent. Routine. Et voilà la, I to la routine climber, de 10 minutes and I use this Mac cream, and then qui explique comment elle se maquille. D'accord sure like really Parce qu'elle a de l'acné. Donc là, elle explique comment est-ce elle, euh, elle, elle traite son acné avec euh, bien sûr et elle a, a bien noté avant de exactement de quel bronze. produit il s'agissait etc etc d'accord. Donc, elle a tout plein de, de centaines de milliers de followers qui adorent son visage Then, et la manière dont. Voilà, donc voilà la crème, ses noms, etc. Donc, elle dit bien exactement de quoi il s'agit. Et puis après, elle le met dessus. Et puis après, c'est absolument merveilleux parce que si vous allez un petit peu plus loin, son visage devient absolument acne, parfait et parfaitement lisse et vraiment superbe parce que cette personne n'existe pas. Like day -day. <laughs> cette personne est un avatar yeah. complet. C'est la même chose, mais c'est Lil Mikela version euh, actuelle. Lil Mikela, on voyait qu'elle n'était pas exacte. Ça, cette, cette personne n'existe pas. Donc, elle peut. Alors, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle est capable de s'enlever un oeil, elle est capable de s'enlever la bouche si elle veut, si elle met son truc sur la bouche et la bouche qui disparaît. Voilà, ce, ce truc-là n'existe pas du tout. Et, et ce qu'elle a de bien, c'est que la parole maintenant est, est créée par ChatGPT. Donc, ce qu'elle est en train de dire, la manière dont elle présente les choses, ce n'est pas, pas un humain qui a écrit ça, c'est la parole. Tiens, la parole, c'est Dieu. Hein, je vous rappelle le... Saint-Jean. Dieu et la parole, la parole est Dieu. et le verbe, pardon, logos. C'est le verbe. Bon, et alors maintenant qu'on a des, des choses comme ça, c'est une chose, ok, qui, ça, hein. et bien maintenant on a après des gens qui ont essayé ce qu'elle dit. Donc je vous présente euh, Kylie Boyle qui a testé la routine de de Alix. Voilà Kylie Boyle. Voilà. Donc on voit qu'elle a une, une peau bien pourrie donc c'est la fan de celle-là. TikTok beauty community. Et elle a changé le, la beauté sur TikTok, like etc. Voilà. Donc voilà. <coughs> et <coughs> tout le monde l'adore. Really voilà. Et donc elle explique comment elle-même va tester le, la routine de, oh like de, de Alix. Et etc. 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 That donc dans la plupart de ses vidéos, elle a ça. Donc elle essaie de l'imiter, elle essaie de faire pareil, c'est ça, elle hein, est influenceur, elle est en train de l'influencer. Voilà, donc elle essaye le truc, elle fait... De... Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, parce que cette personne-là, euh, c'est une IA aussi. <laughs> donc elle n'existe pas non plus, donc euh, elle démarre d'un état, etc. Puis après, bien sûr, elle est absolument merveilleuse avec tous les produits de beauté euh, qui, ont, qui existent. Et euh, donc, vous voyez, elle fait tout ça. Mais ce, ce, ceci est complètement... <laughs> ça n'existe pas. C'est rien. Enfin, c'est terrible. Et donc, bah voilà, vous avez Toolify.ai. D'accord et donc c'est là où vous avez euh, l'ensemble des euh, high revenue AIs, donc tous les IA à haut revenu avec leur ranking, leur catégorie. Donc elle, elle en fait partie, Kylie Boyle, donc elle fait partie des IA à haut revenu. Et donc là, euh, bah ce sont les best AI websites et les outils d'IA. Donc là vous pouvez fabriquer le vôtre. Fabri vous avez des produits que vous voulez mettre en valeur. Vous les contactez, vous leur filez du fric, bien sûr, parce que c'est de la pub. Et puis euh, ils vous fabriquent une IA qui va se 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 maquiller avec vos produits. Donc si vous avez des, des je sais pas des des, des produits de beauté, il y a des gens qui travaillent, font... vous pouvez financer... enfin, vous pouvez faire vendre vos produits de beauté par des IA comme ça, qui le feront parfaitement bien, parce que à, à la fin, le garantie, le résultat est garanti. De hein, toute façon, il euh, n'y a plus de bouton, il y a plus rien du tout, ça n'existe pas, il n'y en avait pas. Voilà. Bon, alors on pourrait se dire des des, finance, des, des des influenceurs comme ça, OK, éventuellement une, une marge de la population qui est prête à se faire influencer par ça, pourquoi pas. Mais maintenant, bah, en fait, ce qui existe aussi. Eh bien, c'est euh, un truc qui s'appelle euh, des, des, des chaînes de, de, de news. Il y a des chaînes de news partout, il y a Fox News, il y a, <laughs> il y a, il y a plein de euh, CNews, News, des trucs comme ça. Donc voilà. Est-ce qu'on peut mettre le son un peu plus haut Voilà. and I can speak in any language. Donc elle parle en grec, elle parle euh, en philippin, elle parle toutes les langues. Cette personne n'existe pas. Et c'est la nouvelle journaliste d'une chaîne qui s'appelle ChannelAI. Channel1.ai. C'est le nouveau... Voilà. Donc ça, c'est leur, leur ensemble de journalistes qui sont tous faux, qui n'existent pas. Et ils disent par contre ce que c'est. Ce ne sont pas des fake news. Nous, donc les ordinateurs, écrivent les histoires, mais les faits sont vrais. Donc, nous vous garantissons que les faits sur lesquels nous allons... Fin, hein, sont, ...sont tous vrais. Et ça, c'est ce qu'ils disent. Qu Une fois que vous voyez qu'ils existent comme ça, comment est-ce qu'on sait si... Ce qu'il relate est vrai ou pas. Donc ça, c'est déjà embêtant pour les journalistes. Il y a un journaliste qui m'avait interviewé à West France. Il dit :« Qui sait qu'il est menacé bah, ?» je dis :« Vous, regardez. » <laughs> donc voilà, les journalistes de Channel 1.ai, uh, ça va commencer en mars ou avril. Donc c'est une vraie chaîne de news. Euh, et tout est. Alors ça, ils, notent quand ils, ils se sont engagés à noter avec un, un truc comme ça quand c'est une image qui est générée par l'IA. Mais eux disent non, non, nous, nos, les faits qu'on qu 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 présente ne sont pas des faits news, ce sont des faits réels. Nous, nous faisons que le, que le récit. Et, et, nous, vous et ça, nous vous présentons ça de manière humaine, de, de manière à ce que ce soit plus, plus agréable pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Etc. Alors, après, c'est bien, l'IA peut vous parler, mais l'IA peut vous écouter aussi. Et il y a un gros, gros marché qui est en train de se développer au, en, euh, aux États-Unis c'est tous les psychologues, qui sont des psychologues IA. Et la première euh, cible des psychologues IA, c'est les enfants. Dans les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les écoles qui ont des troubles du comportement, etc. Donc, plus, comme il n'y a pas suffisamment de, de psychologues euh, dans les écoles, et ben maintenant, officiellement, il y a tout plein de sites. Et l'enfant qui a des troubles du comportement, eh bien, il est engagé. Et on, on, le, on, le, on lui suggère qu'il aille sur ces sites, et où il y a un chatbot, donc il y a un chat GPT, qui va parler avec lui pour essayer de l'apaiser. Et maintenant, c'est l'IA qui joue le rôle de psychologue et qui va, qui va aider les enfants à aller mieux. Encore une fois, c'est aujourd'hui, hein. ce n'est pas, pas, pas le futur. <laughs> voilà, donc, AI-powered uh, mental health chatbots for kids are revolutionizing how children receive support and guidance for their emotional well-being. Donc, en français... Les euh, chatbots euh, de santé mentale euh, fon qui fonctionnent grâce à l'IA pour les enfants révolutionnent la manière dont les enfants reçoivent de l'aide et, un, et, et un, un guide pour leur, euh, leur bien-être émotionnel. Donc ces chatbots innovants amènent euh, des espaces sûrs. Et confidentiel parce que bien entendu, il n'y a personne qui regarde, hein, vous pensez bien que <laughs> toutes les données, alors si vous êtes sur WhatsApp, si vous êtes sur euh, TikTok, Instagram, machin, vous avez signé un truc à la fin qui dit que toutes les données, toutes les photos que vous mettez sur Instagram appartiennent à Instagram. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les spyware, ça vous étudie pour essayer d'améliorer leurs interfaces, leurs machins, etc. Tous les informaticiens dont je fais partie, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur machin, on n'est sur aucun ce truc comme ça, parce que c'est des machins qui vous pompent. D'accord De toute façon, il euh, y a un truc qui est... Hein, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ça, c'est un truc dont il faut absolument vous souvenir. Si vous avez un machin qui est gratuit, il a rien qui est gratuit dans le monde, ça veut dire que c'est vous qui êtes en train de, de vous faire exploiter. Voilà. Euh, et puis après, il bah, y, a, y a tout plein de choses qui sont en train d'arriver maintenant. Donc maintenant, bah, l'éthique V6... Euh, pour qui est-ce qu'on va vivre Est-ce qu'on va vivre pour euh, Alex Earl, Kaylee Boy Parce que finalement, c'est des influenceurs. Alors, des influenceurs, il y en a eu depuis tout le temps. Euh, il y en a, euh, il y a 2000 ans, il y a un mec qui s'appelait Jésus. Euh, maintenant, il a un certain nombre de millions d'influenceurs. Il a, il a influencé pas mal de millions de personnes, de milliards de personnes, d'accord Mais sincèrement, il lui a fallu. Donc maintenant, les influenceurs, c'est. Donc il y a eu Mahomet, a eu... maintenant ça s'appelle Kim Kardashian. Et son premier million de followers, elle a eu beaucoup plus vite que, que Jésus, hein. sincèrement. Euh, <coughs> et, et, et elle est en train de se refaire dessus. Et, et ce sont les gens qui maintenant euh, vont guider le monde. Donc Kim Kardashian, ça va, elle est encore humaine. Elle est humaine, mais maintenant sont en train de déferler des influenceurs IA dont le logos, dont ce qu'ils disent, est écrit par l'IA. Et l'IA vous dit de faire quoi Il y a un mec qui s'appelait Hitler, avec son logos. Il a réussi à faire de l'Allemagne de 1930, qui était le pays le plus évolué, avec des, des philosophes, des, des médecins incroyables, des, des, des scientifiques, Einstein, des trucs... C'était le, le pays le plus évolué. Il a réussi à, à, à prendre ces gens-là, les entourner autour de son logos, de sa parole, et leur faire brûler des Juifs, leur faire faire des horreurs, des trucs absolument incroyables. Ce que je veux dire, c'est quoi Et en fait, vous voyez la puissance de la voix, la puissance de la, de la parole, et la puissance de la parole, et eh ben maintenant, c'est l'IA qui l'a. Donc euh, réfléchissez à ça. Euh, donc maintenant, bah alors voilà. Euh, maintenant je compte sur vous et l'échange. Vous voyez, j'ai fait 1h41, j'ai dépassé 10 minutes. Je compte sur l'échange maintenant avec vous pour essayer de m'égayer un peu la soirée. <rires> <rires> J'espère que vous trouverez des choses positives sur l'IA pour que je puisse rajouter ça dans mes transparents, parce que pour l'instant, euh... ouais, pour toutes les technologies, le feu, le métal, le... la vapeur, on trouve des côtés positifs, des côtés négatifs. Mais en fait, là, vous voyez que maintenant, alors, je suis en train de terminer, je, je, mais j'ai donné l'impression que c'est terminé. Mais... En fait, maintenant, vous voyez que les humains doivent apprendre à les utiliser. La bombe atomique, ça peut aussi faire de l'énergie. Les rayons X, ça sert à faire des radios, ça sert à, à, so, à, à, à soigner des, des cancers. Il y a plein de choses. Quand on a une nouvelle technologie, il faut apprendre à s'en servir. Et là, le mot-clé là-dedans, c'est le mot apprendre. D'accord Et d'où vient l'apprentissage Tiens, ça vient de l'éducation. On a déjà un peu parlé d'ailleurs, c'est comment se faire dévoyer. C'est <laughs> très subversif, l'éducation. Mais voilà, mais c'est l'éducation. Et donc, l'éducation... Eh bien, il y a éducation. Le problème, c'est que moi, je suis prof. J'ai des, des, des centaines de personnes, d'étudiants. De, de, Et maintenant, les étudiants, ben, en fait, ils disent, mais ça, ça sert à quoi d'apprendre ce que vous dites Parce que ce que vous dites, c'est sur Internet. Donc, si ce que vous dites est sur Internet, ça sert à quoi que je mette dans ma tête Sachant que ma tête, maintenant, elle est dans ma poche. Et euh, si je veux savoir quelque chose, je demande à Siri, je demande à ChatGPT, ChatGPT me répond, et puis même euh, ChatGPT, probablement qu'il est meilleur que vous. ChatGPT, c'est une IA. Donc c'est ça aussi, le risque d'une IA, c'est qu'on peut avoir des, des gens qui prennent des IA pour Dieu, parce que les IA maintenant font tout mieux que les humains, etc. Donc la réponse qui est donnée par une IA, forcément, elle va être meilleure que la réponse qui est donnée par un humain. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas comment fonctionne ChatGPT, ChatGPT, ça dit n'importe quoi, mais ça le dit bien. En fait, c'est ça le truc. Chat GPT, c'est ça, ça dit n'importe quoi, mais ça le dit super bien. Et ça le dit de manière convaincante. Et donc on demande une question, il vous donne un truc Ah ouais, ça a l'air super raisonnable, mais si vous même vous n'êtes plus éduqué, si vous n'avez plus de connaissances parce que vous voyez plus l'intérêt d'avoir des connaissances, comment est ce que vous allez être capable de dire si ce que vous dit l'IA, c'est du lard ou du cochon? Vous n'avez plus de connaissances qui vous sont des connaissances propres? Euh, à chaque fois que vous avez besoin de savoir quelque chose, vous le demandez à l'IA. L'IA vous dit un truc. Bah, comment vous pouvez faire la part du vrai et du faux Comment est-ce que vous, la science euh, sépare Voilà. Donc, en fait, pour moi, le, le pourquoi apprendre quand euh, tout maintenant, les, les voitures, les voitures conduisent toutes seules, le jour où les, les assurances vont déterminer avec des millions de kilomètres que le nombre d'accidents au million de kilomètres quand c'est une voiture conduite de manière autonome est inférieur au nombre d'accidents par million de kilomètres quand c'est conduit par un humain euh, qui est bourré, qui est trop fatigué, qui s'endort au volant, etc., bah, les compagnies d'assurance vont dire, vous voulez vous conduire votre voiture vous-même euh, Très bien, plus 10% par rapport, c'est la voiture qui conduit. Et puis au bout d'un moment, quand il y a vraiment trop d'accidents, bah non, vous conduisez pas votre voiture vous-même, les humains causent trop d'accidents, vous voulez conduire votre voiture, bah vous allez sur un circuit, vous faites des tours sur un circuit, et dans la ville, là où il y a d'autres personnes, ben bah, c'est la voiture qui conduit toute seule, parce que statistiquement, il y a des accidents, mais statistiquement, il y en a beaucoup moins quand c'est une IA qui conduit que quand c'est un humain. Donc non, les humains ne conduisent plus. Et on va perdre un certain nombre de, de, de euh, savoir-faire qu'on va déléguer à l'IA. Et c'est l'IA qui va savoir tout faire. Et nous, on ne va plus savoir rien faire. Et c'est ça le gros problème, c'est que j'ai peur qu'on qu perde la classe moyenne de l'éducation. Parce qu'il y a toujours des gens intéressés. Des gens, des cerveaux, des Einstein. Il y en aura toujours de ces gens-là. Donc il y a toujours une élite qui va exister. Mais avant, alors effectivement, il y a l'inverse de l'élite qui est actuellement en France. Il y a des gens qui sont illettrés, qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent pas à compter. Il y a des gens qui, qui sont en, 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 en déshérence d'un point de vue scolaire, qui ont des gros problèmes. Mais ces gens-là quand même sont minoritaires en France. Il y a une énorme majorité de gens qui savent lire, qui savent faire tout plein de choses, qui sont utiles à la société, etc. Mais ces gens-là maintenant avec l'IA, l'IA va tout faire mieux qu'eux, et va tout savoir mieux qu'eux. Ces gens-là n'auront plus d'intérêt à apprendre, de faire quoi que ce soit. Donc moi j'ai ma grande crainte, c'est que toute la, la classe moyenne de l'éducation... Disparaissent parce que l'IA fait bien, fait aussi mieux. Donc on appuie sur un bouton, on a le résultat, et le truc le fait tout seul. Euh, faire votre café, vous appuyez sur un bouton, pff, le café il est fait. Euh, les maisons maintenant, vous va avoir des imprimantes à maison, ça existe. Hein. Donc mettez du béton, et puis pff, le machin vous chie une maison. Mais, ben bah oui, mais ça sert à quoi de savoir monter des, des parpaings euh, maintenant, et puis, dans peu de temps, oh, une maison en parpaing apparent. Parce qu'on va faire des parpaings apparents, parce que ça a été monté à la main, faut le montrer. <laughs> les maisons en pierre apparentes. Autrefois, les pierres, elles n'étaient pas apparentes. On mettait un enduit pour protéger les pierres et pour éviter que les murs se délitent. Toutes les, toutes les maisons en pierre, elles étaient enduites. Maintenant, on enlève l'enduit pour montrer. Regardez, on a une maison en un pierre qui a été montée à la main. Euh, bah, le, ma prédiction, c'est bientôt, on aura des maisons en parpaing apparent. Et ça sera le grand luxe. <laughs> comparé au. <laughs> Les, les trucs qui ont été, euh, voilà, qui vont être faits automatiques. Et voilà, c'est ça le problème. Donc, en fait, la seule solution pour moi d'arriver, c'est d'arriver à démarrer un, une boucle de rétroaction positive. C'est un effet Larsen sur l'éducation, mais, mais voilà, le problème, c'est que euh, on, on perd notre éducation parce que le jour où les, les cancers seront mieux détectés par les IA que par les humains. Bah, les docteurs vont plus détecter les cancers du sein sur les radios, parce que l'IA le fait mieux. Donc ils ne vont plus savoir le faire. Et le jour où c'est un truc un peu bizarre, bah, en fait, les docteurs ils savent pas, parce qu'ils demandent à, à l'IA, mais l'IA ne sait pas non plus. Enfin, on, va perdre notre... on va perdre tout. Mais même à un très haut niveau, hein, médecin, radiologue, etc. Pourquoi être radiologue si le machin fait mieux, fait mieux que vous euh... Ouais. Voilà, donc l'éducation, parce que maintenant il faut savoir, savoir utiliser cette IA. Comment l'utiliser pour qu'elle ne nous trompe pas Donc, c'est quand même une, encore une notion d'éducation, mais ça va être à nous de savoir utiliser ce nouveau truc, cette nouvelle éthique, ce machin qui fait des machins mieux que nous, mais pas toujours. Quand, dans quelles conditions est-ce que ça le fait mieux que nous Dans quelles conditions ça le fait moins bien Vous voyez que maintenant, c'est euh, un nouveau savoir-faire qui va apparaître. Comment se servir de ChatGPT GPT pour avoir des bonnes notes <laughs> À l'école. Comment se, savoir, se servir de ChatGPT GPT pour faire un bel article dans le journal Comment savoir se servir de ces trucs-là Jusqu'au moment où c'est ChatGPT GPT qui va vous remplacer complètement. Et, et, et voilà. Et voilà, peut-être qu'on peut essayer de développer des, des trucs. Alors, grâce au Ludilab, grâce à Serra, il faudra essayer de diffuser l'éducation. Et alors, moi, je vais rester derrière le, le scientifique, tel qu'il dé, est décrit par euh, Claude Lévi-Strauss. Donc, je vais complètement. Me... <laughs> c'est très pratique. Donc, Claude Lévi-Strauss avait dit un scientifique n'est pas une personne qui donne les bonnes réponses, c'est la personne qui pose les bonnes questions. <laughs> voilà. Et là, je <laughs> Oui, c'est important parce que les réponses doivent être sociétales. C'est des réponses, c'est la société qui doit dire comment elle veut utiliser ou pas, comment est ce qu'elle veut être guidée ou pas par l'IA, etc. Et, et c'est pas à nous, scientifiques, d'apporter la réponse, c'est à vous de savoir, en tant que société, euh, comment vous voulez être gouverné, par qui, comment, par quoi, ou euh, est ce que vous refusez ça et qui qui va voilà c'est vous. Et la première question, allez, qui se vous Vous avez vu, hein, vous avez bien compris. Voilà. Donc je m'appelle Sergio. J'étais souvent présent sur vos images. Je vous remercie. Alors ce matin, j'ai interrogé euh, Chat GPT version 3.5 et j'ai posé la question. Est-ce que Pierre Collet est un expert en IA Et donc, ChatGPT m'a répondu Je n'ai pas d'informations récentes sur Pierre Collet. Pour obtenir des informations actualisées sur son expertise en IA, je vous recommande de vérifier ses publications, son profil académique ou professionnel. Alors, sachant que tout seul, ce qui est enfantin, j'avais recueilli beaucoup d'infos sur vous, mais je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça vous inspire. Non mais je vais vous passer celui-là. Attendant, ce qui est dommage, c'est que ChatGPT n'a pas invité à venir à la, à la soirée du Sierra parce que ça a pu compléter. Déjà. Absolument. Alors déjà, je, ça, je suis très heureux d'être invisible à ChatGPT parce que effectivement, je suis pas sur Instagram, je ne suis pas sur. Euh, alors ça s'appelait comment Twitter. Maintenant ça s'appelle X. Je suis TikTok sur des machins là aucun informaticien qui sait ce que c'est que l'informatique la science de l'information n'est sur ces trucs-là parce que encore une fois c'est ce que je vous dis ça vous pompe tout et enfin voilà et ça monte tout en épingle ça peut faire des des fausses vidéos de vous ça peut faire n'importe quoi donc pour vivre heureux vivons cachés je suis très heureux de passer sous le radar de ChatGPT donc ça j'ai bien fait mon job je suis très heureux de ça Deuxièmement, euh, bah ChatGPT, il a bien répondu. Si vous voulez savoir qui je suis, bah allez avec vos petits doigts faire votre recherche vous-même. Vous allez me trouver sur ResearchGate, vous allez me trouver sur Google Scholar, Google machin. Vous allez trouver les papiers que j'ai écrits, que j qui ont été validés par d'autres humains scientifiques. Tiens, quand est-ce qu'on aura des des conférences où les relecteurs, les gens qui vont sélectionner vos papiers, seront des IA euh, Pour l'instant, j'en connais pas encore, mais un de ces jours, ça va arriver où où la qualité d'un papier va être jugée par l'IA aussi. Voilà. Donc euh, non, il a, fait une super, il a fait une super bonne réponse. Allez voir par vous-même. Et deuxièmement, je ne connais pas ChatGPT. Je suis très heureux d'être inconnu de ChatGPT. Une autre question? Pas, voilà. Merci beaucoup. Donc euh, Antoine de Froissart, j'avais une question sur euh, est-ce que c'est possible de, de sécuriser en fait les informations, euh, d'essayer d'aller euh, par par exemple... Bon, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver de, de plus, entre guillemets, sécurisé dans le monde de la data On va dire, on parle de blockchain ou des choses comme ça. Est-ce que c'est possible d'aller derrière sécuriser des informations par le biais de blockchain ou par le biais de, de choses comme ça, qui pourraient éventuellement venir donner le ton sur ce qui est réel, entre guillemets, de ce qui est inventé par une IA Alors la notion de savoir effectivement les informations qui vont être sécurisées, est-ce qu'elles sont vraies ou pas, ben ça ça dépend de la personne qui les a sécurisées, donc on peut pas savoir si elles sont vraies ou pas, euh, ensuite euh, la notion de la sécurisation en elle-même, en fait tout est fait avec le chiffrement, et le chiffrement, ce qu'on appelle le, crypt, le cryptage, mais on ne dit pas le cryptage, hein, c'est le chiffrement normalement. Et donc, en fait, ce truc-là, bah maintenant, il y a les ordinateurs quantiques. Et lorsque l'informatique quantique sera enfin euh, fonctionnelle euh, sans trop de bruit, etc., le problème, c'est que les ordinateurs quantiques seront capables de casser les clés de chiffrement qui sont basées sur de la factorisation de nombres premiers. Donc ça, c'est un gros gros truc qui va arriver. Un de ces jours. Pour l'instant on est encore loin parce que les ordinateurs quantiques ils font du bruit, c'est-à-dire qu'ils font des trucs qui sont inutilisables, mais on, on avance, hein, on avance peu à peu. Euh, on essaye de réduire le bruit. C'est actuellement, euh, voilà, actuellement je dirige des thèses sur, euh, sur l'informatique quantique où il s'agit de réduire le bruit des portes quantiques pour arriver à essayer d'avoir un résultat utilisable de ce truc-là. Donc ces machins-là vont euh, casser. Les, les, le chiffrage. Alors après, il va quand même exister quelque chose qui est pour l'instant complètement inviolable, qui est lié euh, au papier EPR d'Einstein 1935, c'est le, le, de, de stocker un très peu d'un nombre d'informations sur des particules euh, intriquées euh, en superposition quantique. Et donc l'avantage d'avoir des particules en superposition quantique, c'est que euh, si vous recevez des particules intriquées mais qui sont effondrées, quelqu'un les a vues. Donc le, vous avez une garantie physique par la physique quantique que l'information n'a été lue par personne. Mais pour l'instant, on est incapable de, de transmettre un fichier de je ne sais pas combien, un mégaoctet, euh, euh, en, en, de manière quantique. Donc pour l'instant, il y a des clés quantiques. Il y a une boîte qui s'appelle Idée Quantique qui existe depuis 15 ans en Suisse, qui verrouille toutes les élections en Suisse, qui fait toutes les transactions financières, sont maintenant verrouillées de manière quantique par des, euh, par des, 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 des particules euh, superposées et intriquées, qu'on reçoit de manière intriquée, donc on sait qu'elles n'ont pas été euh, violées, mais elles servent de clé à du chiffrage, parce qu'on n'arrive à, à transmettre que quelques octets. Donc on a juste la clé dont on sait qu'elle n'a pas été euh, cassée. Mais maintenant, les données chiffrées, si on arrive à trouver la factorisation, ben finalement, on sera capable d'ouvrir, de regarder ce qu'il y a dedans. Donc pour l'instant, c'est encore, euh, encore sécurisé. C'est ça qui fait peur aux banques et à tout ça. C'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup sur toute l'informatique quantique. C'est parce que le futur de l'informatique quantique, ça sera capable de casser les chiffrages. Mais euh, pour l'instant, euh, elle est peut-être dans... Alors, à la vitesse à laquelle ça va actuellement, c'est peut-être dans 10-20 ans, mais sachant que les choses vont toujours plus vite que ce qu'on pense, ça peut être dans 5 ans. Mais pour l'instant, c'est pas encore à l'horizon de 5 ans. <laughs> voilà. Donc c'est encore stable pendant 5 ans. Peut-être probablement plus, mais on ne sait pas. Une autre question Merci. Jean-Louis Néraud, vous nous avez présenté des influenceurs qui sont des avatars, en fait. Mais à un moment donné, qui a détecté que c'était des avatars Et à partir du moment où ça a été détecté, pourquoi euh, le réseau euh, qui est connecté à ces influenceurs n'est pas mis au courant et qu'il y a des gens qui continuent à aller dessus On va voir, on va voir. C'est juste une question de temps, on va, on va y arriver. Merci parce que du coup c'est vous qui faites du sport. Alors déjà ce n'est pas des avatars. Euh, ce qu'on appelle les avatars, c'est une une image de vous euh, artificielle à distance. Donc c'est un humain qui a un avatar ailleurs que ça vous permet d'être chez Carrefour, vous faire embaucher ou pas par votre avatar. Euh, Maintenant, les IA, les influenceurs que vous avez là, sont créés. Il n'y a pas d'humain qui est derrière. Le, leur logos, ce qu'il dit, n'est pas fait par un des humains. Et pourquoi est-ce que les gens les suivent eh ben, C'est parce que ce sont des belles filles, avec des beaux visages, avec des beaux trucs comme ça. Et c'est juste ça qui, qui attire. C'est comme les, les lumières qui attirent les papillons. Eh ben, en fait, euh, même si les personnes. Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est plus vicieux que ça. Parce que j'ai quand même mis euh, euh, pour la, la première, là. Vous allez voir euh, sur un site qui est là, sur Vanity Fair, donc l'endroit où tous les gens sérieux vont. Euh, et vous, allez, vous, donc vous cliquez dessus, ça c'est aujourd'hui, hein, euh, enfin c'est le 23 octobre 2023. Qui est Alix Earl, la nouvelle IT Girl Alors ils le disent quand même, ils disent que c'est une IT Girl. Mais si vous savez lire, ce que ça veut dire, c'est que c'est une, une fille de IT, c'est Information Technology, de la technologie de l'information. Et alors là, vous avez sa présentation, principalement connue sur TikTok. Elle raconte son quotidien à Miami et elle envoûte les internautes. Mais, mais oui, mais c'est ça, elle l'envoûte, elle a la parole. C'est ça l'énorme problème. Donc, on vous la présente. Alix Earl à New York le 7 septembre 2023. C'est pas vrai, elle existe pas. Donc, euh, elle a pas pu être à New York le 7. Enfin, encore une fois, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est la sensation du moment. Alors, attendez, je vais, je vais le, vous, essayer de vous l'agrandir si vous, voilà. La reine de la Gen Z, qui n'existe pas, a sans doute connu l'ascension la plus rapide depuis les débuts TikTok. Dans ses vidéos "Get ready with me", devenue virale sur les réseaux sociaux, se livre ouvertement sur son acné kystique, son anxiété ou encore ses relations amoureuses qu'elle juge désastreuses. Rapidement, l'influenceuse a, a atteint le statut de It Girl, décrochant des contrats avec des marques de studio telles que Tarte, <laughs> je sais pas que si c'est une marque, Tarte, <laughs> Benefit, Rare Beauty et collaborant avec des célébrités comme Selena Gomez. Les influx, voilà, à lire aussi. Donc ça, c'est des, des trucs, voilà, les influx voleurs. Après. Une héritière d'une entreprise de construction. Elle est l'héritière d'une entreprise d'une construction routière située dans le New Jersey. Son père, Thomas Earl, qui en est le PDG, a fait des gros titres à la suite. Tout ça, c'est c'est n'importe quoi. Mais quand vous avez une gamine, des gens qui lisent ça, euh, ce que je veux dire. Alors ça, c'est probablement aussi écrit euh, euh, par de l'IA, hein. Il y a près de 15 ans, plusieurs médias avaient informé que son père, donc il, trompait sa femme de l'époque, Alissa, avec Alisha Dupré, qui a travaillé au sein de l'agence d'escorte, donc des escortes, hein, vous savez ce que c'est, euh, VIP Imprance proscor, Cette dernière avait défrayé la chronique après avoir été engagée en tant qu'escorte pour un client dont il ignorait. Ce n'est que quel. Mais il y a des gens qui lisent ça et qui boivent ça, qui sont envoûtés par ça. C'est le logos dont je vous parlais. Ça, ça me prend les gens. Ça fait une histoire. Voilà. et... Ah, elle est diplômée de l'université de Miami, bien sûr. Sur son compte TikTok, elle a partagé son quotidien d'étudiante en mai 2023. Elle obtient son diplôme... Enfin, il y a 4 ans, j'ai pleuré quand j'ai appris que j'étais accepté dans l'école de mes rêves. Son podcast fait fureur. C'est... Oh, ça fait peur. Moi, j'ai peur quand je vois ça. Je, je suis atterré. Je sais pas quoi... Enfin, voilà. Je, je... J'ai pas de réponse. Pourquoi est-ce que des gens vont voir ça Bah si, parce qu'on lit ça et on a l'impression que c'est vrai et ça fait rêver. Voilà, refaire le monde, c'est. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Vous vous apercevez que bien sûr que ces storytelling n'ont aucun rapport avec éventuellement des personnes qui auraient pu exister et qui sont vivantes. Vous avez jamais entendu ça quelque part Je vous passe la parole. Ah, pardon. Voilà. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, moi je vois je vois à travers l'IA un, un nouveau terrain de jeu pour les conflits mondiaux entre des nations, entre des populations, entre des ethnies, entre les chaînes d'information qu'ils font déjà bien, oui. Oui, donc tout ce qui est conflit mondiaux, tout ce qui est machin, vous pouvez imaginer, il euh, euh, bah, y a eu des, des vidéos fake de Zelensky qui disaient euh, euh, rendez vos armes, etc. C'est la Russie qui nous contrôle. Mais alors maintenant, ce que vous voyez, c'est quoi qui est vrai Comment faire Et encore une fois, bah, voilà, tout est ramené sur le jugement. Sur le jugement personnel, mais si on a démissionné devant l'éducation, parce que c'est difficile d'apprendre, c'est difficile de, de comprendre, faut travailler, etc. Et on démissionne parce que l'IA le fait tellement mieux. On demande à Siri, on demande à n'importe quoi qui vous donne les réponses. Et ben le jour où il faut que vous sachiez faire la part entre le vrai et le faux, sur quoi vous allez vous baser Vous n'avez plus de connaissances. Vous allez demander à l'IA savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est l'IA qui, qui vous dit des conneries. Enfin voilà, on perd tout, on perd tout notre enracinement. Et... Allez, je passe là, voilà. Merci. Jean-Loïc Lédé, alors ce n'est pas vraiment une question, mais justement, je pensais, apparemment, l'IA aujourd'hui est capable, une personne qui a 17 ans et une qui a 90 ans, est capable de détecter si c'est la même personne. Donc ça pose aussi des gros problèmes au point de vue criminalité, parce que dans les tribunaux, qui est-ce qui va donner le verdict est-ce que ça va être l'IA ou le, le, le procureur, justement, qui, euh, qui va être euh, contraint par l'IA Parce que l'IA peut faire, euh, peut faire euh, des, des erreurs, en fait. Mais, euh... Vous m'entendez Ah, ça y est, ça marche. Non, c'est bon. Donc maintenant, c'est bon, vous pouvez... Euh... Je suis équipé. <laughs> Je suis un homme augmenté, vous m'entendez <laughs> bah ben oui c'est quand même ça oui alors euh, depuis trois ans maintenant euh, en France le parlement a voté une loi comme quoi pour des des différents allant jusqu'à deux 2000 euros euh, l'IA pouvait faire un, 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 un pré-tri pour le juge pour euh, et d'ailleurs faire des prêts euh, des, des, des propositions de, de, de pénalité ou pas. Parce que les, vous savez que les tribunaux sont engorgés par des centaines de des centaines de cas. Et tous les petits cas, je crois qu'en France c'est jusqu'à 2000 euros. Il y a un autre pays où c'était jusqu'à 5 000 euros. Et donc maintenant il, il a été accepté, validé par les députés et, euh, et donc le Parlement français, que jusqu'à 2 000 euros une IA puisse aider les juges. Euh, aider les juges, alors le, là aussi le gros problème qu'il y a, c'est que lorsque le juge se fait aider par l'IA en disant bah, c'est cette personne-là qui a tort, donc on va proposer 500 euros de, de je sais pas quoi, de pénalité, etc. Quand le juge se rend compte que ça marche super bien euh, les 100 premières fois, bah, après la 101e fois, il a confiance. Donc après, il va regarder de moins en moins. C'est l'IA qui a fait le job. L'IA fait bien son job. Jusqu'au jour où l'IA fait une erreur. Mais là, la personne sur laquelle ça tombe, là, ça va être un gros problème. Et ça, et ça va être ça maintenant le problème c'est de, de perdre. C'est ce que je disais les, les médecins vont perdre leur. Les radiologues, bah, ils vont perdre leur expérience parce qu'ils vont, ils vont faire confier ça de plus en plus aux IA. Les juges vont compléter ça de plus en plus aux IA. Et en fait, on risque de tout déléguer de plus en plus à l'IA. Et le jour où on a vraiment besoin de faire les choses, bah, on ne sait plus les faire c'est ça qui m'inquiète. Je... Mais je vous avais donné une mission au départ, c'était de, de trouver des, des choses positives. Hein. Je vous rappelle votre mission. Donc je vous écoute sur une, une chose positive que l'IA pourrait apporter. Je ne sais pas si ce sera positif ou négatif. Je pense qu'elle peut en apporter beaucoup de positives. Oui, euh... bien sûr. Sur la santé, sur plein de choses, justement. Je pense même que c'est extrêmement limite de la part d'un grand professeur comme vous de ne présenter que cette version-là. Euh, c'est la limite pour moi de... pas de l'escroquerie, mais ce que je me permettrai pas, mais de la mauvaise foi quand même. Euh, ce que je voudrais vous poser comme question, qu'est-ce que vous pensez de l'European IR Act Alors, je ne connais, je, je ne connais pas. c'est pas mon domaine, donc je ne connais pas du tout. Est-ce que vous pouvez le dire de quoi il s'agit C'est justement ce que l'Europe essaye de mettre en place pour réguler l'IR. Ah. Alors, c'est clairement... Donc, déjà, c'est bon, vous n'avez plus du coup besoin de me ramener le, le micro. Je... Oui, je... Voilà, super. Bon, euh, 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 sur la première partie de votre question, en fait, euh, bien sûr, l'IA a tout plein de côtés positifs. C'est comme euh, les couteaux, ça sert à couper la viande. Euh, les euh, voitures, ça sert à se déplacer, mais ça peut tuer des gens. Les machins, il y a, il y a tout plein, tout plein de côtés positifs. Euh, euh, bah, voilà, ne serait-ce qu'en santé, pour soigner des cancers. Pour... C'est énorme. Et là, je ne peux pas. Non, mais c'est bien évidemment que, que tout ça, ça existe et que, euh, bah voilà, peut-être que par exemple euh, la fusion nucléaire, euh, bah, l'IA pourra intervenir, pour arriver à trouver des solutions euh, qui vont faire que les Tokamaks vont fonctionner, on pourra pouvoir nous apporter l'énergie euh, de manière illimitée, euh, sans pollution, sans CO2. L'IA des, des... oui, bien sûr. Donc l'IA a des millions de choses merveilleuses à apporter à l'être humain. Euh, donc oui, j'ai brossé un, un, un portrait euh, très, très euh, négatif de l'IA, euh, parce que je pense que c'est ça qui m'inquiète, moi. <laughs> bon. Ça nous inquiète tous. Je pense qu'il faut quand même voir l'autre Absolument. Mais voilà, c'est pour et, et je vous remercie. Et, et merci, vous, vous, vous voyez que vous avez conf... <laughs> Absolument. L'IA tout... a bien sûr tout plein de choses à apporter. Et encore une fois, le jour où, en conduisant les voitures, euh, ça va économiser des, des milliers de morts... Eh ben, L'IA aura apporté de, de, de faire que des, des milliers de personnes vont vivre alors qu'elles auraient, dû, qu auraient euh, subi un accident si ça avait été conduit par. Donc, bien sûr, tout ça, c'est. Mais vous voyez que c'est à double tranchant. Oui, bien sûr. Il oui. y a autour du Premier ministre, actuellement c'était avec l'ancienne Océan, qui a lancé tout un parterre de chercheurs qui travaillent là-dessus. Pour moi, le problème, ce n'est pas l'IA, c'est la régulation. C'est la régulation et c'est les humains. Parce que ça, c'est ce que je vous ai dit dans l'avatar dans qui est là. La première, la celle de 2016, elle n'existe pas. C'est les humains qui l'a créé et c'est les humains qui sont heureux de la suivre. Donc, encore une fois, le problème est humain. C'est nous qui nous créons, et ça, je l'ai dit, <laughs> c'est nous qui nous créons le bâton pour nous faire battre. Et si on est heureux de la forme du bâton, parce qu'il est beau, parce qu'il est rose, parce qu'il est hein, etc., bah après, il ne faut pas se peindre qu'il nous tape dessus. Mais. Donc il faut absolument réguler et il faut comprendre comment réguler ça et c'est ça qu'il faut absolument faire en, en ce moment. L'IA n'est créée que par nous, que par les humains et nous sommes très heureux de ce qu'elle fait. Et c'est à nous de savoir ce qu'elle fait. Et, et encore une fois, elle apporte tellement de bénéfices qu'on ne va pas dire on va l'interrompre. Mais, mais regardez, c'est la même chose sur le climat. Le, le, le fait d'avoir de l'énergie... Euh, bon marché, extrait des sous-sols, bah, c'est ce qui a permis à toute la société occidentale de se. Sans ça, euh, bah, on est avant l'anthropocène. C'est le, le, le moment a été défini comme étant le, la date du brevet de la machine à vapeur par euh, James Watt. Donc parce que c'est à partir de la machine à vapeur qu'on a eu besoin de charbon et le charbon on l'a extrait de, du sous-sol. Donc avant, on était dans une, dans une structure où en fait, on coupait du bois pour se chauffer dans la cheminée, et puis tout ce qu'on faisait, qu faisait était renouvelable. Euh, les, les voitures étaient tirées par des chevaux, euh, les bœufs qui tournaient la terre, ben, ils étaient renouvelables, tout était renouvelable. Euh, C'est Jean Covici qui montre ça de manière euh, très explicite. Euh, Jusqu'à il y a 200 ans, euh, tout ce qu'on faisait était complètement renouvelable. Et en fait, le, le changement climatique... Euh, créé par euh, le fait d'avoir sorti du, du, des, 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 euh, de l'énergie fossile du dessous de la Terre pour le remettre maintenant dans l'air, dans, dans l'atmosphère, on a fait ça en 200 ans. Et là, là encore une fois, il y a vraiment de quoi être inquiet. Parce qu'en 2023, il y a eu une, a eu une bifurcation en 2023. En mars 2023, il y a une bifurcation au niveau de la température des océans. Et, et ça, on a fait ça de nous-mêmes. Et on est très heureux. On est très heureux d'avoir une voiture et de se déplacer ici. Vous êtes tous venus, ou une grande majorité, en voiture. Et en faisant ça, bah, vous avez aggravé le problème de la planète. Mais vous êtes très heureux de venir ici. Et c'est agréable. Donc, en fait, c'est le même lien qu'on a avec l'IA. L'IA va nous, faire, nous permettre de faire des choses merveilleuses, nous transporter, nous faire des, des choses merveilleuses. Mais il y a une grosse contrepartie. Et est-ce qu'on est prêt pour la contrepartie, tout comme est-ce que nous sommes prêts pour le changement climatique qui arrive, qui est la contrepartie de, du confort que, que, que l'énergie fossile nous apporte? C'est pareil. Visiblement, c'est un, une question de préparation de l'être humain. Je vous passe le. Totalement. Mais c'est vrai. Oui. Merci, merci. Euh, je vais vous poser une question un peu provoque. Moi, je Allez. fais partie des gens qui pensent que l'intelligence artificielle n'existe pas et que le terme est dangereux. Pourquoi le terme est dangereux Parce qu'il est générateur de fantasmes et qui évite de réfléchir. Je, je préfère, et vous l'avez évoqué dans un certain nombre de cas positifs, le terme d'intelligence augmentée. Et à partir de ce moment-là, on arrive à réfléchir. Parce que pour moi, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que deux révolutions techniques et qui répondent à deux, deux fois à la même logique. La roue qui a permis de décupler la force de l'homme et de l'animal, et l'informatique, au sens large du terme, qui a permis de décupler sa capacité de calcul, de mémoire, vous l'avez évoqué, et autres. Bon. À partir du moment où on parle d'intelligence, on génère tous les fantasmes, et on évite de réfléchir, parce que dans plein d'exemples que vous avez donnés, euh, c'est des choses qui existent depuis mille ans. Sauf que l'informatique, les influenceurs, euh, vous l'avez évoqué, toutes ces choses-là, c'est des choses qui existent. Euh, sauf que ça va beaucoup plus vite et qu'à partir du moment où on parle d'intelligence, on réfléchit plus. Voilà. est-ce qu'un est des moyens d'en sortir, c'est de changer les termes, d'éviter les termes marketing et de réfléchir au sujet, ce que c'est au fond, ce que ça apporte, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà. non. Euh... Sur le fait de, sur l'intelligence, est-ce que l'intelligence est réellement artificielle Moi, je pense qu'elle l'est en fait à partir des années 2000 pour la raison suivante c'est que depuis les années 2000, les ordinateurs sont capables de créer des nouvelles lois, des nouvelles équations que les humains ne connaissaient pas. Donc de ce côté-là, ils sont devenus autonomes. Il euh, y a un exemple qui est très connu, c'est de la NASA, l'exemple ST, ST, ST5, où en fait. Euh, maintenant, on fabrique des microsatellites. Et les microsatellites, il faut, donc, ils analysent euh, la magnétosphère, des choses comme ça, le, le champ magnétique terrestre, et il faut qu'ils renvoient sur Terre leurs leur mesures. Et comment est-ce que les, les, les satellites renvoient sur Terre leurs mesures Ils le renvoient bah, avec des ondes électromagnétiques, des ondes radio. Mais quand on a un microsatellite qui est comme ça, bah, il n'a pas beaucoup d'énergie, il n'a pas beaucoup de puissance, et donc sa radio, qui lui sert à envoyer les résultats sur Terre, c'est quelques microwatts, c'est rien du tout. Et donc, euh, c'est poser la question si on fait comme Sputnik et qu'on a une, une antenne omnidirectionnelle, euh, l'information euh, transmise par la radio va se perdre dans tout l'univers et la Terre aussi, mais qui est un tout petit moment dans tout l'univers. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire une antenne qui soit capable de focaliser l'énergie de, de, des microwatts qu'on a, euh, par exemple, pour aller viser un radiotélescope qui est sur Terre. On va pas éclairer plus, pas éclairer moins, on va essayer d'avoir exactement le, le radiotélescope. Et bien, bah, en fait, le, sur les, les modèles d'antennes euh, qu'il y avait à l'époque, bah, il fallait faire des antennes qui, qui faisaient euh, 10 mètres de long, alors qu'on fait un petit, un petit CubeSat comme ça, une antenne qui fait 10 mètres de long pour arriver à focaliser le truc, avec des paraboles, c'était des paraboles qui faisaient, euh, je sais pas, 2 mètres de diamètre. Et. Et en fait, il n'y avait aucun moyen d'avoir une antenne qui soit capable de focaliser un rayon de données suffisamment bien. Donc, on a demandé, et là c'était en évolution artificielle, il euh, y a, euh, je ne sais plus, c'était à la NASA, 1000 ordinateurs qui ont travaillé pendant 3 semaines, et ils ont trouvé un modèle d'antenne qui ressemble à rien, qui est des espèces de, de des trombones qui sont comme ça, c'est tout petit. On, on le branche dans une chambre anéchoïque sur un modèle du satellite, et pompe, on a exactement ce truc-là. Et ben, avant que les ordinateurs. Euh, trouvent ce modèle d'antenne. Les humains ne savaient pas qu'on pouvait faire des antennes comme ça. L'antenne lui-même est un système complexe. Les brins interagissent entre eux pour arriver à faire exactement le truc. Et donc c'est démarrant parce que la NASA, la NASA fait toujours des petites vidéos à la fin. Et ils ont dit, voilà, nous avons fabriqué le système ST5 de, de, de constellation de satellites. Et avec pour la première fois une technologie non humaine envoyée dans l'espace. Alors pourquoi c'est une technologie non humaine C'est que premièrement, on ne savait pas comment, que c'était possible de le faire. Deuxièmement, maintenant qu'on analyse avec les équations de Maxwell, on retrouve effectivement ce qui se passe avec les simulateurs, on voit effectivement que ça le fait, mais on n'est toujours pas capable de le faire. Donc si on veut en refaire une nouvelle pour des nouvelles caractéristiques, eh ben, on demande à l'ordinateur, s'il te plaît, est-ce que tu peux en faire une avec ces caractéristiques-là Parce qu'on sait que tu peux le faire, mais on ne sait pas le faire nous-mêmes. Donc là, maintenant, on arrive dans un moment où l'ordinateur a été capable de créer des choses que les humains ne savaient pas faire. Donc là, pour moi, non. La notion d'intelligence artificielle, elle est, elle est validée euh, par le fait qu'un ordinateur a trouvé des choses que nous, avec notre intelligence humaine, on n'était pas capable de faire. Donc non, pour moi, je pense que la notion d'intelligence artificielle, à partir du moment où le, les, les, les ordinateurs deviennent autonomes, qui sont capables de fabriquer des propres lois, des propres, des, des propres choses auxquelles nous, on n'avait pas accès et qu'on ne s'est toujours pas maîtrisé, ben bah non, il est, il est autonome, le truc. Hein. Il, il sait faire des choses nouvelles. Donc, pour moi, non, ça valide l'utilisation du terme intelligence artificielle. Alors, après, si c'est pour nous, bien, bien sûr, on est l'homme augmenté. Je suis augmenté par mon téléphone de partout, bien sûr. Mais quand mon téléphone est capable de faire. Et maintenant, le téléphone, enfin, il est capable d'inventer de nouvelles choses que les humains ne sont pas capables de faire. Alors, après, voilà, le mot intelligence artificielle ou pas, je ne sais pas, mais. Je suis très heureux d'avoir le GPS. Mais qui est le résultat d'Einstein, de, euh, la, la relativité générale, etc. Donc, mais quand même, la technologie, le GPS qui me permet de, de venir ici euh, en, en allant de je ne sais pas où, euh, je n'ai pas besoin de savoir où je suis. Imaginez le nombre de millions de litres d'essence qui ont été économisés, le temps, le nombre d'heures. Parce qu'avant, moi, je, suis, je date d'une époque où il y avait des cartes. Et donc, quand il y avait des cartes, on se plantait, on ne savait pas où c'était, on demandait, on a perdu combien de, de temps, d'énergie, etc. Le GPS a été une. une une invention miraculeuse de ce côté-là. Et puis d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu des... les inventeurs des LEDs blanches euh, qui ont un prix Nobel. Et bien, prix Nobel pour inventer des LEDs blanches parce que ben, ça consomme euh, 10 fois moins d'énergie, 20 fois moins d'énergie que des lampes à incandescence comme ça. Donc là, encore une fois, ça permet. Un jour, une IA va inventer un truc comme ça, va permettre de, de, rais... de, de diminuer l'empreinte énergétique de l'humain, va, va améliorer. Donc oui, l'IA a plein de choses positives à apporter. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a plein de choses positives. Et c'était l'objet de ce truc-là. Pardon Est-ce qu'on est dans l'IA générale Non, on n'est pas dans l'IA générale. Encore une fois, c'est nous qui la fabriquons. C'est nous qui. Il risque de l'IA générale. Si, le risque, il est humain. Le risque de l'IA générale est humain. Parce que c'est nous qui fabriquons. Le... le risque de se faire manipuler par ces machins-là, ce que j'ai présenté, c'est nous qui le voulons bien. C'est nous qui voulons nous faire manif... influencer par ces trucs-là. Bien sûr que si, les ordinateurs sont sensibles. Si l'ordinateur, je le fais surchauffer, il va s'arrêter, et puis il va redémarrer. Ben oui, il est sensible. Et donc, ça avait demandé à, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Jean-Claude Amessen, euh, qui était euh, euh, directeur du comité d'éthique de, euh, de l'Inserm, ben, se dit, ben voilà, maintenant, les robots... Ils ont des capteurs, ils ont des yeux, ça s'appelle les caméras, ils ont des oreilles, ça s'appelle des micros, euh, ils ont des capteurs de température, ces trucs-là sont sensibles, ces trucs-là apprennent, est-ce que j'ai le droit de donner un coup de pied à un ordinateur <laughs> Jusqu'où, si je dis que je n'ai pas le droit de donner un coup de pied à un chien, parce qu'il est sensible, ça va etc., et est-ce que j'ai L'ordinateur le... aussi, il est sensible, il a ses capteurs, les machins, il va, il... je suis capable de le casser. Euh... Voilà, est-ce qu'on doit étendre. Maintenant, on donne l'éthique, on, les... on va donner des, 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 euh, des existences euh, au fleuve Amazone, d'ailleurs, qui est en train de s'assécher. Euh, on va donner des existences à la forêt amazonienne, etc., avec de... en leur donnant une... euh, euh, des législations pour la protéger, en disant que la forêt amazonienne a un droit. On, 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 les, utilise, on les personnifie, cette, ces entités-là. Ben un jour, pourquoi pas, personnifier, pourquoi pas euh, euh, personnifier des robots, définir une éthique contre, sur la, le, le, comment se, se, euh, bien interagir avec les robots Parce qu'éventuellement, les robots pourraient se révolter aussi. Parce qu'à force de leur donner des coups de pied, euh, s'ils se rendent compte que les... les les lois d'Asimov, euh, <coughs> elles sont là. Euh, un robot doit se préserver. la troisième loi. Sauf si ça va à l'encontre de la deuxième loi qui doit obéir aux êtres humains. Sauf s'il va à l'encontre de la première loi qui doit, euh, où un robot ne doit pas euh, faire de mal à un humain. D'accord, mais la troisième loi, c'est quand même qu'un robot doit se préserver. Les robots ayant, étant sensibles, ayant des capteurs, ils sauront s'ils si, vont, vont éviter les coups, ils vont éviter les trucs. Non, non. C'est les entités sensibles. Hein. Juste peut-être une chose. Est-ce qu'il y a une, la différence entre l'IA générative et l'IA générale dont on vient de parler, Hervé Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde euh, soit calé là-dessus. Une, une IA générale, ça serait une IA euh, euh, qui serait en fait... Bon, ça revient à, à, à l'exemple que j'ai donné sur le fait de voler. Ça serait une IA qui aurait une intelligence de forme humaine. Ça serait un peu ça, qu'il soit capable de discuter avec vous autour d'une tasse de thé. C'était le fameux test de Turing. Que... Tiens, le test de Turing, est-ce que vous êtes capable de chatter sans, avec une... dans une fenêtre sans être capable de savoir que la chose qui est derrière vous est une IA ou est un humain C'était ça le test de Turing. Bah, pff, maintenant, avec ChatGPT, à mon avis, vous êtes capable de discuter avec un. C'est pas loin, hein on est en train d'y arriver. Donc, ça, c'était le fameux test de Turing pour savoir si un, un ordinateur pouvait être euh, déclaré comme intelligent. Là, à mon avis, on n'est vraiment pas loin. Euh, ensuite, euh, en fait, c'est ça. L'IA générale, je pense que c'est lié à une IA humaine. C'est un truc qui serait similaire à une IA d'un être humain. Encore une fois, mais est-ce que c'est -ce est pertinent euh, le, Si on cherchait toujours à voler comme des avions, on, on, on battrait encore des ailes et, on, et ça ne marcherait pas. D'accord. Donc on fait ça les différemment. Donc pour moi l'IA générale c'est vraiment un truc qui est mal défini, c'est mal, mal cadré comme truc. Euh, après l'IA générative. Alors ça c'est très important pour que vous compreniez toutes et tous que ChatGPT ne sait pas ce qu'il dit. En fait c'est un c'est un ChatGPT dans, sa, dans son apprentissage élabore un réseau de proximité entre des termes à partir de milliards de pages web. Donc sur des milliards de pages web, c'était l'exemple que j'avais donné dans, dans, dans l'interview de West France, euh, avec euh, associé au mot réseau, bah, vous allez avoir le mot télécommunication, vous allez avoir le mot euh, réseau euh, euh, d'anciens élèves, euh, vous allez avoir le mot réseau, vous avez plein de mots trucs qui sont associés au mot réseau carotte, c'est pas associé au mot réseau. Donc en fait, quand vous tapez une phrase qui commence et puis qui se termine par le mot réseau, etc., ChatGPT ne vous mettra pas le mot navet derrière, parce que les réseaux de navet, les réseaux de machin, ça n'existe pas, les réseaux de pommes de terre. Ça existe, les réseaux de navet Bon, ben bah, voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même pas majoritaire. Et, euh, et donc en fait, ce que fait ChatGPT, c'est qu'il utilise les mots précédents et il va et vous lui demandez, qu -ce que, ce que vous lui, quand vous posez une question à ChatGPT, vous lui demandez... Qu qu'est-ce avec les mots précédents, tu mettrais après Et en fait, ChatGPT, en ayant analysé des milliards de pages web, a dit, ah, voilà, après cette succession de mots, le, le mot le plus probable, c'est celui-là. Et du coup, il a écrit ce mot-là. Donc une fois qu'il a écrit ce mot-là, il recommence avec le mot qu'il a lui-même écrit. Et donc après, il va dire, ah, bah, maintenant que j'ai écrit celui-là, bah, ça, c'est celui-là. Et en fait, il, il, il part dans ses, dans ses délires, en, dans le sens où il ajoute des choses qui sont toujours plus probables, mais c'est lui-même qui ajoute des choses. Et comme c'est très probable, c'est très bien écrit parce que c'est très probable et à la fin on tombe dedans parce qu'on se dit ⁇ Ah bah oui, ça fait sens ce qui est là ⁇ et très souvent ça fait sens. Mais, mais il arrive aussi que ça fasse pas du tout sens, que ça soit complètement un truc euh, artificiel et qui sort de, parce qu'en fait il ne sait pas ce qu'il dit et il ne fait que rajouter le mot qui serait le plus probable à suivre, euh, en suivant la séquence précédente. Donc ça a ni queue ni tête, euh, euh, il, y a très, il y a très longtemps il y avait des jeux de cadavres exquis où, où en fait on, on prend des gens et puis on, on commence une phrase et puis après tiens toi tu dis le mot le suivant et puis toi le mot suivant etc. Ça fait des phrases qui ont ni queue ni tête, c'est ça, ça que fait l'IA mais en se basant sur euh, euh, des milliards d'interconnexions précédentes pour trouver quel est le mot le plus probable et, et ça sonne bien. Ça sonne super bien, mais ça ne sait pas ce que ça dit. Donc, jamais, il ne faut jamais faire confiance à ce que vous dites ChatGPT. Ça peut être du n'importe quoi. Et après, c'est à vous de savoir, ou pas, si ce que ChatGPT vous dit est bon ou pas. Mais si vous n'avez plus la culture pour le faire, ce n'est pas facile. Oui, donc on va être challengé régulièrement par ChatGPT, si on veut savoir ce qu'il qu y a dedans. Voilà. Hein mais et... il ne pourra pas vous le dire et vous ne pourrez pas lui faire confiance. On ne pourra pas lui faire confiance. Est-ce qu'il y a une autre question Ah ben voilà. Oui, moi, je voulais vous demander, euh, un petit peu en guise de conclusion, bon, qui est autre question, je ne vais pas enfin, euh, Le Serra le, le, le a publié, euh, il y a quelque temps, un livre qui s'appelle « L'avenir, c'est demain », où un certain nombre de gens se sont exprimés sur 2035. Au vu de ce qu'on vient d'entendre ce soir, pardon, euh, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de Pierre Collet comme avenir rêvé intégrant positivement l'intelligence artificielle Merci pour la belle question. Euh, alors, euh, donc déjà, sur le futur de l'IA, moi je pense qu'effectivement l'IA a très bonnes choses à apporter parce que ça pourrait débloquer un certain nombre de situations, euh, comme je disais, sur l'énergie, sur des nouveaux, ou no, des nouveaux modes de, 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 fich, de fusion nucléaire, etc. Donc, il y a tout plein de choses que l'IA peut apporter. Le grand danger, c'est effectivement de modifier l'éthique humaine et de modifier la manière dont on doit se comporter avec cette IA parce que déjà, bah encore une fois, maintenant que vous allez avoir une voiture avec des feux bleus, ah, vous savez qu'elle est conduite par un truc. Euh, comment est-ce que ça va se comporter Est-ce que ça ne va pas aller à gauche, à droite Donc en fait, le, le, vous avez vu que les CV, il faut déjà les, les, les écrire de manière à être sélectionné par une IA. Et donc voilà, pour moi, là la, 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 la donne qui est en train de changer, c'est qu'avant, on échangeait humain avec cailloux, euh, humain avec animaux, humain avec humain. Maintenant, il y a un nouveau truc qui existe qui est inanimé qui Respire pas, euh, qui est autonome, qui fabrique ses propres lois, et il y a une nouvelle entité avec laquelle il faut apprendre à... Donc, moi maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre ce truc-là et faire que tous les projets en IA euh, qui sortent de chez mes étudiants, de médecins, etc., intègrent une phase d'éthique. Alors, d'une phase d'éthique, c'est-à-dire. Euh, euh, le problème, c'est que les scientifiques n'ont peu fait d'études en philosophie et ne connaissent pas les différentes éthiques. Il y a tout plein d'éthiques qui ont été développées au, au cours des âges. Euh, euh, et typiquement, bah, en France et en Allemagne, on suit une éthique kantienne. Euh, c'est Kant qui a été euh, le, le, la personne qui a œuvré pour la déclaration des droits de l'homme. Euh, et, et typiquement, en, dans, dans l'espace anglo-saxon, eh euh, c'est une éthique conséquentialiste euh, qui est utilisée, Ou ce qui va être important, ça va être la notion d'intérêt. Tout est basé sur l'intérêt, là où par exemple en éthique franco-allemande, tout est basé sur le désintérêt. Si euh, euh, vous allez vous occuper d'un petit vieux ou d'une petite vieille en espérant qu'elle va vous mettre sur son héritage, en France, hein, en France ça s'appelle captation d'héritage et vous allez euh, vous faire réajuster euh, vite fait euh, par les juges, etc. En, dans les pays anglo-saxons, ben non, c'est normal, vous avez travaillé pour cette personne, vous l'avez aidé en fin de vie, c'est normal qu'elle vous, euh, pose sur son héritage parce que vous l'avez fait les choses par intérêt. C'est normal de faire les choses par intérêt et toutes les éthiques anglo-saxonnes fonctionnent sur l'intérêt, le maximum de l'intérêt global par rapport à l'accès privé. Voilà, ils essayent de faire des additions pour savoir quand vous faites une action, est-ce que ça va bénéficier à tous ou pas en termes d'argent, en termes d'intérêt. D'accord Nous, on fonctionne, mais vraiment à l'opposé de ce truc-là. Donc, Maintenant, quand on fabrique une IA, l'IA qu'on fabrique doit-elle agir de manière intéressée pour apporter de l'argent à celui qui est derrière, ou la société qui est derrière qui l'a mise en œuvre, ou est-ce que l'IA doit fonctionner de manière désintéressée pour bénéficier à la personne, euh, etc. Il y, a un certain, il y a un certain temps, il y avait un, un médicament, je sais plus, ça devait être de l'insuline, ou chose, où il y a, il y a, il y a un, un Américain qui a récupéré le brevet et qui a récupéré la boîte qui faisait l'insuline et il a monté le prix de l'insuline par 10. Bah, ça veut dire que tous les diabétiques, soit ils étaient obligés de payer pour survivre, ou alors sinon, bah, ils mouraient. Donc, euh, je ne sais plus, il me semble que c'est de l'insuline, mais c'est peut-être pas de l'insuline, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, de, 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 de quoi des patients dépendaient pour vivre et il y avait eux qui le fabriquaient. Donc, comme il y avait eux qui le fabriquaient, ils pouvaient mettre ça à 1000 dollars l'injection et vous n'avez rien, rien, rien d'autre à faire. Et une IA pourrait se rendre compte de ça et pourrait artificiellement augmenter les prix et pour maximiser l'intérêt de la boîte qui l'a fabriquée. Donc, quelle est l'éthique qui va être mise en œuvre par l'IA qu'on fabrique L'IA doit-elle travailler pour la boîte Travailler pour l'humain Travailler pour quoi Et ça, c'est super important. Quand vous avez une Tesla ou une, une Toyota qui va rouler, euh, quels sont les principes éthiques que la Tesla va mettre en œuvre quand elle a un choix à faire qui va impliquer que, de toute façon, il y a un accident euh, Si, normalement... Une voiture autonome, quand elle conduit, elle va prendre des décisions infiniment plus fondées que les vôtres. Moi, quand je tourne et puis il euh, y a de la lumière, il euh, y a, y a, y a euh, le soleil qui est face à moi, euh, j'ai des piétons qui sont là, et j'arrive trop vite parce que j'ai roulé trop vite, parce que je ne sais pas quoi, enfin bref, je suis là. Et là, je dois faire un choix. En un dixième de seconde, il faut que je sache est-ce que je tourne à gauche, à droite. En un dixième de seconde, je n'ai pas le temps de, de comprendre. Mais par contre, si c'est une voiture autonome qui qui roule, eh bien, elle, en un dixième de seconde, en un millième de seconde, elle est capable de faire référence à toute une série de décisions qui ont été prises par un comité d'éthique, et elle va appliquer euh, trois mois de réflexion d'un comité d'éthique en un millième de seconde. Donc la, la voiture va avoir une, une, une action infiniment plus éthique qu'un conducteur qui va être ébloui et qui ne va pas savoir faire et qui va faire n'importe quoi. Bon, mais alors maintenant, l'éthique qui a été proposé, qui est le résultat d'un think-tank de, 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 de trois mois de réflexion d'un comité d'éthique chez Tesla, est-ce que ça va être la même éthique que l'éthique chez Toyota Sachant que les Toyota sont des Japonais, les Tesla, c'est des Américains, euh, le comité d'éthique de Renault, ça va être des Français, le comité d'éthique de Mercedes, ça va être des Allemands. Tiens, on retourne dans l'éthique localisée. Les différentes populations, l'éthique en Chine n'est pas la même que l'éthique en, en, en Russie, qui n'est pas la même que l'éthique en France, en non, etc. Tous les groupes humains ont leur éthique différente. Quand vous allez conduire une voiture autonome chinoise, enfin, quand la voiture autonome chinoise va vous conduire, quelle éthique va-t-elle suivre C'est intéressant de savoir, parce que c'est elle qui vous conduit. Et, et elle va prendre des décisions. Et ces décisions vont être, vont être drivées par un, un comité d'éthique qui aura été à Shanghai, qui aura été je ne sais pas où. Donc il faut réfléchir. Maintenant, quand on fait de l'IA, l'IA prend des décisions. L'IA est autonome. L'IA fait des choses. Et ben, ces choses, il faut absolument euh, ouvrir et dire quels sont les, les, les choix qui vont présider aux actions de l'IA et les comprendre. Donc voilà, ça c'est ce que j'essaye, c'est ce que je vais essayer de faire moi, c'est de comprendre, d'aller de plus en plus. Ça fait environ dix ans que je fais de la philo, c'est pas beaucoup. Je, vais de, je, je fais de plus en plus de philo, etc., pour essayer de comprendre ce que je fais et de comprendre ce que je vais mettre en œuvre dans les IA que je, que je développe ou que mes étudiants que mes équipes développent. Pierre, Pierre, les Collet, Pierre Collet, merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir Pierre Collet. Nous vous souhaitons un bon retour dans vos, dans vos foyers, conduits par vos voitures. Ayez confiance. En commençant, si vous voulez, d'y un, un petit moment agréable dehors. Donc euh, Nous vous y convions. Et la prochaine fois, bah, là aussi, réservez euh, le plus tôt possible parce que vous avez vu, nous, nous avons du monde dans nos réunions. Merci, bonsoir.